m'excuser. Écoute, Ça dis. raconte. Ah, petit Henri, je voulais te dire que je m'excuse. Je savais pas que tu étais une petite pyjama. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu es vivante. Ben, je me rappelle pas de toi, mais ça me fait plaisir de voir que t'es aussi vivant. Et ça me fait plaisir de voir que je vais pouvoir faire pipi tranquillement. Et Ah, moi, là, ça putain! me fait pas plaisir que t'as la voix d'un caneton. Ah, c'est vrai ça? Ah ouais, quel dommage. Mais si t'as de l'argent et que tu m'en donnes, ça me dérange pas, hein. Mais tu as 14 ans, jeune Franchement. demoiselle. Ah voilà, merci, grand-père. Viens, mon enfant. Ah bah oui, grand-père, si t'as du pain. Sache que t'es une des seules personnes qui me disent que j'ai 14 ans. Genre, il y en a, ils me donnent 18 ans, alors que bah, genre, ma voix, elle est gamine. Mais Mais pourtant, tu as quel âge dans la vraie vie? bah, j'ai 14 ans. Tu n'as à aucun moment tu n'as 14 ans, sinon tu serais déjà dans J'ai la fourgonnette. Oui? J'ai 14 ans, grand-père. Donc, Ah ouais, si, 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 c'est vrai. j'ai 14 ans, effectivement. Moi, je m'entraîne à imiter Butters. Butters, Elle c'est pécho tout le très, monde. très dur, les gars. En plus, Ah non, c'est pas du même tout. comme. Je pécho les gens qui ont de l'argent. Et c'est même pas pécho, c'est les michetonnés. Donc, c'est complètement Non, mais différent. tu veux pas avoir 14 ans et être une pute en même temps, c'est pas possible. Bah, si, en fait, tu sais, dans la vie, il y a des changements qui. Voilà, il y a des changements. Mais non, t'as plus la Oh. tête dans le brevet, à la limite des collèges, ou à savoir ce que tu veux faire plus tard, faire des études, je sais pas. Elle, non, elle veut de Maintenant, l'argent. non, Putain. en vrai, là, pour l'instant, c'est après que je vais me mettre à 100% dans le brevet. J'ai déjà beaucoup travaillé. Donc c'est pas une légende en Et. fait. Les jeunes demoiselles qui, enfin, nées dans les années 2000 sont vraiment attirées, ont des, comment dire, des étoiles dans les yeux dès qu'ils voient des influenceuses gagner de la thune de cette manière en montrant leur cul sur les réseaux. Ah non, pas du tout. Moi, c'est juste que je fais ça pour le délire. J'aime pas l'argent. Enfin, si, j'aime bien l'argent. C'est normal qu'ils n'aiment pas Ah, le troll. l'argent. Mais c'est juste que je m'ennuie un peu et que j'ai besoin de me détendre. Très bien, déjà avoir un ordinateur à cet âge-là, comme ça, toute seule. Un ordinateur? Bah Mais je oui. suis sur le téléphone. Ouais, même au téléphone, avec Internet, avoir accès à tout ça. Oh mon Dieu, j'espère que mon fils sera préservé de tout ça. Bon. Vu ton âge, c'est vrai que tu pourras pas en avoir, hein. Trop vieux, mec. Bon, Désolé, écoute-moi, bon, grand-père. t'as beau avoir 14 ans, évite de me reprendre, espèce de petite connasse Oh, tu vas te de petite calmer? gamine. Ah. J'en ai Non, mais absolument ferme rien à ton gars. foutre. Parce Mais que d'accord, des mais meufs moi de ton aussi, j'en genre, ai je les rien à dire. graille. Mais c'est quoi ta vie? Ah, mais enfin, franchement, Mais j'en bats les ferme couilles, ton. t'as pas à me parler comme Mais ouais, ça. Ah oui, je suis fusillé justement, ou bah, je quoi? suis Tu fière manques de pas de toi. Bah, je suis respect. fière de toi. Bah, je suis fière de toi. Parce que des gosses, moi je peux en faire. J'en ai. Respire, respire, tu vas Parce que faire tu de sais la très vie. bien, t'as 14 ans, tu sais bien comment on fait les gosses. Je veux pas te faire un dessin. Donc maintenant, tu te la T'as fini? fermes. Parce qu'à la base, T'as ici, je fini? t'ai vu faire du doublage Bah, et de t'as fini? l'imitation. T'as fini? Bah vas-y, alors montre-moi ce que tu sais faire Ah, alors. ok, t'as fini. Sinon, j'appelle Bah, à ok, super, l'admin. bonjour. Parce qu'au lieu de demander, de t'émander, et de mendier des thunes à des gars en montrant tes photos de pieds de pyjama, tu sais que ça peut aller D'accord, chercher très super. loin. Bouffonne, Waouh, toi. super. Franchement, ça m'apporte rien de ce que Ouais, tu si dis. j'appelle à un admin parce que là, c'est incroyable, quoi. Une Bah, meuf dis-le à ce que tu 14 veux, et ans vas-y, moi, je vais me qui envoie casser. des photos d'elle. Bah, vas-y, bah, casse-toi, bah, dégage de cette Chanel, là. Dégage tout de Ouais, suite de vas-y. Chanel. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais envoyé de photo de moi, enfin. Tu C'est comprends? ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, tu connais ma vie, peut-être. Mais bien sûr, je connais ta vie, t'as 14 ans, tu dois habiter à Ah, bah, elle est Rouen. partie. Allez, hop. Hop, ça, c'est mon channel, ça. Allez, dégage. Pas être en neige. Passez-moi une... Elle l'a pas Passez... assumé. Ouais, je sais, mais passez-moi une clope, là. Il faut que je me mette à fumer, là. J'ai jamais fait ça, en plus. Putain. C'était un doublage, mais un vrai doublage. Je connais même pas South Park, quoi. Putain, mais j'ai envie de les... J'ai envie de prendre ma Tesla, mettre l'autopilote, le dérégler et rouler sur elle, quoi. Oui, mais excusez, cher viewer, je suis en train de dérapax. Bon, ouais, non, mais je vais pas vous faire un remake de ce qui s'est passé dernièrement sur Paris, les gars. Hein. Et d'ailleurs, c'était. C'est pas Tesla qui est fautif, les gars, dans l'histoire. Ils ont fait une enquête. C'était le mec. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Paris, d'ailleurs? Non, putain, mais c'est. Attends, je vais. L'accent, tu vois, si je parle. Eh, hey, Atmos, dégage de là. Non, mec, je t'aime bien. Qu'est-ce Atmos, Atmos, je qui t'aime se bien, passe? vraiment, Pourquoi tu je parles comme t'aime. ça? Mec, je t'aime. Je Oui, suis amoureux de toi. qui m'aime, c'est très bien. Moi, mec, On mec. va aller Je chercher t'aime bien. En bas, là. l'électricité. En bas, là. En bas, là. C'est un En point bas. d'équilibre. En bas. Comme toute chose devrait l'être. Vous entendez le son de ma voix ici, le son de ma voix. Il y a fort longtemps, lorsqu'il est venu la nuit des temps. Attends, c'est trop bien dans d'autres channels, les gars. J'ai l'impression, mais il est Mais t'as vraiment raison, l'herbe après. quand il est tôt comme ça, il n'y a personne.
le mec là, le gars de tout à l'heure. Mais ferme-la, Tesla, ça provoque pas des accidents. D'ailleurs, Agis, j'ai besoin de toi, comme t'as fait pour. Tu peux me faire un shoot? Comme t'as fait pour RPK, mais avec la Tesla. Tu me fais une bête de vidéo. C'est possible ou pas? Highfield. Allah. Allah. Bon, apparemment, il y en a qui... Est-ce qu'il met? Bon, apparemment, il y en a qui veulent un peu de radio libre. Mais est-ce qu'ils sont en forme à ce tour-là? On va écouter. Mais attends, mais par contre... Ah oui, Idid, c'est trop dommage que t'aies arrêté le Willis game. Hein? Willis. Et tu veux intervenir, Pexpo? Attends, je t'envoie. J'arrive, les enfants, j'arrive, je suis là, je sais plus quoi. Ah c'était incroyable, mec. Mais je faisais un accent de bougnoul, genre de... Ouais, mais il marche bien, cet accent, il est trop trop bien, mec. Vous en pensez quoi de Anne Hidalgo qui veut mettre le vote à 16 ans? Ah, yeah. Allez, c'est parti. Eh ouais, je suis convaincu, je vais voter pour elle. Là, trop. Ouais, enfin, calmez-vous quand même. Je pense qu'il va voter Zemmour. Vas-y, viens. Attendez, j'ai une proposition à vous faire. Un PK demande-lui de faire une frag movie, il s'en fout. Mais dis-lui, viens, on va faire des photos de caisse. Ok, gronde. Ah ouais? Mec, attends. Ça m'étonne même pas de lui, RPK. Le bâtard. Sérieux, il a fait ça? J'ai pris un compte Absolute ou je sais pas quoi là. Le bâtard, RPK. Utilise mon code parrainage et pas celui d'Axio, s'il te plaît. Ah le bâtard. Il confond la lune avec des phares de voiture et elle freine. C'est la dernière mise à jour qui bug. T'es sérieux, Ténax? Arrête de dire des bêtises. Je vous parraine, mais en fait, normalement, le parrainage, là, c'est du coup, ça fait 130 euros pour vous et 130 euros pour le parrain. Bah, moi, je vous propose de vous donner mes 130 euros en partie. Menteur. Parce que sur Absolute, c'est ça, sauf que c'est 200 euros par personne. 200 euros chacun. En gros, je vous propose de vous donner 2 millions d'euros pour vous inscrire sur Boursorama Bank. Ah, ça va. Envoie-moi le lien, je vais m'inscrire. T'es factice. Non, en fait, non, je rectifie. Je vous propose de vous donner 100 euros. Non, 2 millions. C'est trop tard. 1 ou 2 millions? 100 euros, non? Non. Mais t'as raison, tout ça, tu peux te faire donner une partie de ta prime et attirer justement des filleuls. Et c'est en fait, moi, si j'avais pas un compte Boursorama, franchement, je le ferais. Parce que je l'ai déjà fait et en fait, j'ai pris 230 euros à l'ouverture du compte Boursorama. C'est du scam, ouais. Ça? Ah non, mais c'est. Ah non, okay, mais ça, c'est les comptes bancaires comme ça, y a tout... quand tu ramènes des gens, t'es de la thune. Solution alternative. D'ailleurs, faites-le pour mon compte N26. Vous allez tous, un à un, me sucer la top. Non. Ok, je vous propose une deuxième solution. Non, moi, je rêve de mettre mon bras. Non mais arrête Ténax de dire des bêtises. Par contre on t'attend Pexpro, je sais pas si t'es encore là, mais j'espère que tu vas pas laguer cette fois-ci. Mais ta gueule, fils de pute là. Ah ouais, ta mère là, mais tu crois que je t'entends pas, fils de pute là, va niquer ta mère. Molo s'il vous plaît. Ouais c'est à toi que je parle, va bien niquer ta grande mère ça. Parle autrement s'il te plaît. Non mais pas toi l'autre. Non pas... Je ne parle pas toi. Pas toi. Moi. Puis toi? Ah, moi? Ah non, l'autre. Ok, non, je vais voir, Juan. Attends. Allô? On va dans ce Discord-là? Vas-y, on y va. Qui? Parfois, nerf sous-orbitaire est issu de la branche maxillaire V2 du nerf trijumeau CNV. Je ne suis pas en idée. Il sort de l'orbite et suivant le canal... Il n'y a personne, gros, il n'y a personne. Finalement, par le four... C'est bien, ouais. Juste votre débat, pour juste m'introduire, quoi. Ouais, pas de soucis. Je veux savoir, vous parliez de quoi, exactement? Oh, on parlait de... Sur les religions. Mais du coup, je finis mon propos. Ah, c'est un sujet intéressant. Je finis mon propos vis-à-vis de l'islam. C'est que moi, j'y connais pas grand-chose parce que j'ai uniquement lu le Coran. Ouais. Et j'ai compris qu'en fait, c'était le bordel. J'ai compris que c'était la même merde que le judaïsme, en fait. Oh. C'est qu'il y a 8000 courants sous le même titre, enfin sous le même livre. Ouais, gros, ferme ta gueule, gros. Parce que là, t'es pas là pour insulter, parler mal des religions, cul de ta race. Hein. C'est sérieux ou quoi? Lui, je le mute, c'est un attardé. Bah ouais, je m'en bats les couilles. C'est quoi ton problème? T'es raciste ou quoi? J'ai fait un parallèle avec le judaïsme, espèce d'abruti. Je m'en bats les couilles, moi je respecte le judaïsme, c'est là. Je respecte le judaïsme, le christianisme.
T'étais même pas là en fait. T'étais même pas là. Tu parles autrement des religions, des religions, des livres. Tu parles autrement et tu baisses des yeux. Comme je veux, je parle comme je veux. Tu parles pas comme tu veux. Tu manques de respect. Tu manques de respect. Tu me manques de respect. C'est le même problème. Il y a le même problème qu'avec les juifs. Bah non. C'est un quiproquo en fait. Non, mais qui respecte alors. Parce que dans un débat, il y a des discussions. Tu respectes. C'est la même merde que dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'à l'époque, sans qu'il y ait une autorité. C'est qu'il y a 8000 courants qui sont mis. Il n'y a pas 8000 courants, mec. Il n'y a pas 8000 courants. Et du coup, ça fait que ça fait peur aux gens qui ne s'intéressent pas. Ferme ta gueule. Dans l'islam, c'est des courants, mais dans le judaïsme, c'est un délire. T'as les massortis, les libéraux, les semi-libéraux. Respecte le judaïsme. Le judaïsme, c'est une simple. Comment il l'a pas respecté, en quoi là il a rien dit de respectueux. Si, c'est de la merde, etc. C'est pas respectueux. Bah ferme ta gueule, ça pue jamais alors. Il est arrivé au moment où j'ai dit que je blasphème. Je l'ai muté parce que là c'est de l'insulte, il est pas du tout dans la rationalité, dans le discours posé. Après, moi, c'est ouf. Il veut dire que les débats ensemble, mais il faut juste que ça se passe dans des conditions. Bah alors, Aurélie, t'as dégagé tout à l'heure ? J'ai pris l'ascendant sur toi. Ouais, la bite. Hein, Aurélie. On entend moi ta grande gueule. Hein. J'ai pris l'ascendant sur toi ou quoi alors, tout à l'heure. Art plastique. Non, mais je déteste cette matière. Ouais, en vrai, maintenant, je pourrais devenir moi en art plastique parce que j'ai appris à faire des. Ma gueule. Ouais, moi, franchement, l'art plastique. J'ai rien foutu. Je l'ai mis. Ça va être vite fait. Il en avait marre de moi, il faisait que de me changer de place. Il m'a mis très bon trimestre. Attends, j'ai entendu. Tu peux répéter. Art plastique ? L'islam et du judaïsme. Dans l'islam, je considère que c'est autre chose encore. Écoute, je ne vais pas aller vérifier, donc tu peux être n'importe quoi. Salut Zara, ouais, je suis venu comme tu m'as demandé. Ouais, tu pourrais m'envoyer des photos, les photos que tu m'avais dit sur le dernier show que tu as fait, s'il te plaît. On est d'accord, hein, t'es majeur. Hein. Tu parles à qui ? Bah, à toi. Mais je t'ai même pas demandé de venir. Oui, je suis majeure, pourquoi ? Ouf, ça va. Les photos. Ça me rassure. Pourquoi ça te rassure ? Non, parce que j'avais demandé. Je pensais que t'étais mineur et tout, donc je me suis dit, putain, j'allais avoir des problèmes. Mais finalement, ça va, on pourra faire ça en privé tranquillement. Ok, cool. Tu finis avec Maxime, après on part ensemble parler, toi et moi ? Au revoir, okay. Moi je peux vous laisser hein, si vous voulez. Ah bah vas-y, bah laisse-nous. Nickel. Ah mais tu vois j'ai une occasion de fuite là. Tu vois. Maxime, tu me laisses comme ça? Non c'est pas grave, t'inquiète Zara, je suis gentil, je vais te chanter des chansons et tout, t'inquiète. Même si t'as une voix de mineur, mais en tout cas comme tu me confirmes que que tu es majeur, donc pour moi ça me va très bien. Tu voulais acheter du sac? J'ai longtemps parcouru ton corps effleuré 100 fois ton visage. Tirer de l'or et même en fait, quelques étoiles en essuyant tes larmes, Zara. J'ai appris par cœur la pureté. Je pense que je viendrai pas te parler parce que vu que t'es dans mes bloqués, ça sert à rien que je ne te parle. Ouf, si t'es bloqué, ouf, c'est bien pour une bonne raison. Coup dur. Non, pas de coup dur. Évite de faire chevalier blanc, toi, par contre, Maxime, parce que sinon tu vas la voir venir, la torgnole. Je suis désolé, c'est cool. Non, mais tu vas. Je sais qu'on se connaît, Zara, mais pourquoi tu me fous ce vent ? Pourquoi tu me fous ce vent ? Avec tout ce qu'on a parlé ensemble, ce qu'on avait vécu à l'époque. Alors que tu m'as grave chauffé en plus. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu racontes de la merde en fait là. Mais non, tu m'as grave chauffé. Attends, mais tu veux voir les logs ? Et là, t'as pas vu les logs. Hein. T'étais la première à me dire ouais, t'as une belle voix, à me dire ouais, t'es bien. Attends, je l'embrouille. Et maintenant, tu fais ça quoi. Ah bah, elle a décroché, j'ai gagné. Elle est plus là, elle est partie. Non, elle est là. Tu me racontes grave une vie par contre. Bah non, je me raconte pas une vie, on s'est parlé ensemble, tu m'as chauffé, on s'est envoyé des photos, on a pas mal discuté. T'as dit ouais, j'aime bien ta voix et tout, t'es grave mature pour ton âge. Mais t'es un bon goût toi en fait. Non, pas du tout. Et maintenant tu me fais ça si, mais tu te racontes vraiment une vie. La seule fois où on s'est parlé, c'est quand tu venais me voir pour parler de je sais pas. Et tu me disais que je sais pas, et t'es amoureux de moi ou je sais pas quoi. Bref, ah oui, je me souviens maintenant. Mais après on a échangé toi et moi et t'étais fan parce que on est devenus amis. Non, tu fermes ta gueule. On n'est pas devenus amis, tu fermes juste ta gueule. Il s'est rien passé et moi je t'ai rien envoyé. Mais parce qu'il voulait pas de toi en fait à la base. Et moi je t'ai dit que moi j'étais attiré par toi, je t'aimais bien et j'aurais bien voulu vivre un truc, je sais pas, une amourette avec toi. C'est tout. Et tu me faisais confiance non, en plus. Non.
Mais si, Zara, attends, tu peux pas me faire ça. Attends, je prends ma guitare, c'est possible. Tu permets? Je m'en bats les couilles de ta guitare. Non, je m'en bats les couilles de ta guitare. Ah si, attends, tu vas tomber sous le charme. Attends, deux secondes. Je m'en fous de ton charme, putain de ta mère, là. Tu comprends quoi? Tu comprends pas le français? Zara, je les ai vus, les photos. Skinny de quoi? Skinny de quoi? T'es très bien. Non, mais des mecs comme moi, t'en croiseras pas deux, Zara, je te le dis, hein. Franchement, sur ce Discord, demande à n'importe qui. Hein. Ils me connaissent, ils savent que j'ai... En plus d'avoir du talent, je suis beau. Enfin bref, tu sais quoi, je vais te parler sur Insta directement, ça va être plus simple. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que évite de faire la meuf vénère, parce que ça marche pas avec moi. Ça marchait avec l'autre connard, là, l'autre con, là, qui est que t'as emballé. Mais moi, tu sais bien que voilà, c'est... Quel autre con? Le gars, là, qui était... Qu'apparemment, tu voulais sortir avec lui, que t'avais des sentiments. J'ai essayé de vous rabibocher. Et au final, finalement, ça s'est pas fait. Mais tu sais, il n'y a pas à nous rabibocher en fait. Si on veut pas, on veut pas. Tu nous laisses tranquille, c'est tout. Et si je t'ai bloqué, c'est bien pour une bonne raison en fait. Là, tu casses les couilles. Bah, c'est parce que t'étais attiré par moi. Et c'est juste qu'avant, j'étais. Ça va, j'ai dit non. Je t'avais dit non. J'étais pas prêt. Maintenant, aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, j'estime qu'on a quelque chose à dire, toi et moi. Il faut qu'on se parle. Voilà, par texte interposé. Et on voit où ça peut nous mener, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tu le dis pas. Bah, et j'en pense pas grand-chose, tu vois. Parce que je suis bien et je suis bien solo, tu vois. Mais moi, à chaque fois que je viens sur ce Discord, je te pose même pas la question si je suis bien, si j'ai pensé à toi de la journée. Et... Oh, mais à quelle heure je dois me poser ces questions, tu vois? À quelle heure? Zara, t'as été trop loin. Quoi? So far away. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Avec ton petit accent du sud et tout, je pensais qu'on allait vivre quelque chose de fort. Je sais pas, du côté de Perpignan, pour Barcarès, se balader toi et moi. Des marchés nocturnes, pendant l'été. Oh. Mais juste, pourquoi tu m'as une vie? Pourquoi tu dis que je t'ai envoyé? Mais parce qu'on a vécu quelque chose de très intime, en fait. Le fait de te confier à l'époque, non, sur moi, sur ce garçon. Tu m'as... Et je t'ai pas envoyé de photos. Tu mens. Littéralement. T'inquiète, sur les photos, on voit pas ton visage, je les garde pour moi et... Mais ni ta race, en fait. T'as envoyé aucune photo. Zara. On s'est peut-être pas vu dans la vraie vie, mais je voulais t'avouer quelque chose. Quoi? Bah, avoue, vas-y, frère, là. Bah, en fait, j'ai le peu qu'on s'est parlé en vocal, j'ai appris à te connaître, ta personnalité, à te cerner un petit peu, et ça m'a suffi pour tomber amoureux de toi. Non mais c'est bon, les amourettes de Discord, ça ne sert à rien, tu vois. Si, on a eu un feeling, toi et moi, et... Il y a aucun feeling qui soit, putain de taras, tu comprends rien. Je te parle français, tu n'en comprends pas. Tu veux pas me briser le cœur de cette manière. Je te parle anglais ou... Mais putain, mais pourquoi je pourrais pas? J'ai tous mes droits, tu vois. Mais Zara, t'as la vie devant toi, t'es toute jeune, tu vois. T'as peine de la vingtaine, moi c'est pareil. Et tu peux pas. Mais des mecs comme moi, voilà, qui pourraient être à l'écoute, et on pourrait se tenir la main, toi et moi. Tu passes vraiment pour un mec grave lourd, là. Tu sais quoi, je vais faire le deuil de cette amourette. Mais ça m'empêchera pas de penser à toi, et dès que tu viendras sur le Discord, je te laisserai un petit mot doux et je te parlerai. Gentiment. Mais non, mais fais pas ce genre de choses. Déjà, tu dis que je t'envoie des photos, mais t'es un malade ou quoi? Je comprends même pas. Pourquoi tu viens me parler? Déjà, t'es dans me bloquer et je comprends pas pourquoi t'essayes de vouloir venir me parler. Si je t'ai bloqué, c'est bien pour une bonne raison. Non. Y a pas t'as à chercher trop à loin. Comprendre. Non. Tu m'as fait ça, Zara, pendant tout ce temps, j'ai attendu. Aujourd'hui, je vais m'en aller. Attends, t'as attendu? Je t'ai attendu pendant. T'as attendu quoi? Je t'ai attendu si longtemps, ça fait quoi? Un mois et demi, deux mois presque. Et là, pour une fois qu'on peut se parler, ouais. S'il te plaît, laisse-moi te dire que... Aujourd'hui, alors, tout est fini, c'est ça? Mais rien n'a commencé, tu sais. Mais franchement, ouais, mais rien on a commencé. Essayé, c'est le début d'une petite amitié et tout, quand tu t'es confié. Tout. Je le sais maintenant que c'est plus possible de te reconquérir maintenant. Non, mais t'es un menteur, en plus. Comment tu peux gâcher une telle chose? T'es quelque chose de pur, toi et moi. Un menteur. T'es un menteur, de toute façon. Et maintenant, tu me traites de menteur? Tu me traites de menteur? Pourquoi ouais, tu me fais arrête, ça je... Pourquoi tu me fais ça? Je t'assure peut-être que je ne joue pas la comédie. Ouais.
viens pas, je fais la comédie, tu vois. Je t'assure. Je ressentais quelque chose pour toi. T'as été trop loin. Non, mais tu fais, non, mais tu fais la comédie encore. Get off my ride. Get off my ride. Get off. Non, mais c'est pas fou ce que tu fais, tu vois. C'est pas fou. Mais bien sûr que c'est pas faux. Y'a pas à pleurer, tu vois. Bien sûr que c'est pas faux. Y'a pas à pleurer. Bien sûr que c'est pas faux. Là, tu fais semblant de pleurer pour que j'ai de la peine pour toi. Est-ce que tu viens de briser un cœur? Tu te rends même pas compte de ce que tu fais. Si tu le dis, je lui brise un cœur. Mais tu sais, des fois, on pense, hein. Ouais, maintenant, commence pas à me casser les couilles, maintenant. T'arrêtes de me parler. Parce que franchement, ta michetonnade, là, depuis quelques temps, sur le Discord, à parler à d'autres mecs, m'en bat les couilles. Vas-y, fais la meuf. Mais t'as un problème. Fais la meuf, on bat les couilles. T'as un problème, en fait. Un problème. J'ai aucun problème, je te parle normal, Christian. T'as vu? Mais t'as vraiment un problème, je pense. Non, j'ai aucun problème. Mais moi, quand une meuf me vénère, en général, on me dit nique sa mère, ce bâtard. Mais tu vois, c'est quoi, j'étais épargné. On bat les couilles, je vais partir comme un prince. C'est quoi, vas-y, je te laisse les clés pour partir du channel. On bat les couilles, moi je reste ici parce qu'à chaque fois que je cheat, je parle à d'autres gens ici. Je suis connu ici. Ouais, ok, t'es connu de quoi en fait? Oh, gros, je parle mon talent. C'est le talent Discord. On commence pas à me casser des couilles, on commence à m'embrouiller. Tu m'embrouilles là? Tu m'engagnes là? Moi je t'embrouille. Même pas. Tu vois, t'es une meuf du Sud, en plus je reconnais ton accent, t'es une meuf de Perpignan, c'est ça? Mais je viens même pas du Sud, qu'est-ce que tu racontes de toi? Qu'est-ce que tu racontes de toi? Oh, je peux parler comme ça, oh, qu'est-ce que tu gras? Tu connais des gangs? Oh. Okay. Bah c'est bien, je suis fier de toi, franchement, tu veux une médaille? La vérité, Zara, c'est qu'en ce moment, je comprends pas ce qui te passe par la tête. J'entends te parler normalement. Ouais. Donc maintenant, tu décroches ici, c'est mon channel. Arrête de parler ici, je connais du monde. Tu vois, demain je vais aller à la Sina, je vais parler à Tata Souchana, elle va me ramener des boulettes. Mais là, contre Sarah, s'arrête. C'est Chouya, Sarah. Il y a des problèmes, je pense. Alors, je te permettrai pas de dire ça, j'ai aucun problème, madame. Alors, mademoiselle. Si t'as vraiment. Alors, non, j'ai aucun souci. T'as vraiment des problèmes mentaux. Alors, je suis prêt à vous prendre en consultation, j'ai une fourgonnette qui est garée pas très loin, juste derrière la mairie. Alors, si vous voulez bien, vous venez. Je vous accueillerai, j'ai à boire. Vous buvez, et ensuite je vous prends en charge, ça vous va? Madame, bon, comment? Je suis arrivé là, je voulais savoir ma petite Zara. J'ai vu les papiers. Papier, y a pas. Zara, tu m'entends? Non, mais tu vas finir ton prologue pendant longtemps ou tu as fini? Ah, beaucoup mon gars, Zara. T'as l'air d'être aussi à moi, Pili. Ça, beaucoup de monde, ça. Mais moi, mais il ne peut pas parler comme ça. Pas parler. Être gentil. Être gentil. Lire, mais il est mignon. Pourquoi parler mal? Apologue. C'est quoi le apologue? Apologue. Zara, bon là c'est vraiment moi qui te parle. Je suis vraiment désolé d'avoir pris ton temps et... On a le même âge, tu sais, t'as 17 ans, t'as toutes tes dents, comme moi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis jeune et... On écoute tous les deux Nino, c'est quelque chose qu'on a en commun. T'as eu? T'as fini de me saouler pendant longtemps? Je vais m'en aller, mais s'il te plaît, d'abord, pars de ce channel, s'il te plaît. Bah non. Comme ça, j'aurais gagné. J'attends quelqu'un. Oh, fille, attends quelqu'un, là, t'attends, rêver, c'est Latina. Ça va ou quoi, là? Désolé. Ça va ou quoi? Désolé, je m'appelle qui, là? Que te bouffe le fiac? Ça, t'as envie sur 10. Tara? Est-ce que tu aimes connaître les paix? J'aime connaître mes paix. Est-ce que je lui mets des bides en frontal de Régis? Non. Ah oh, putain. Fais la bisou. Fais la bisou. Fais le bisou. Est-ce que t'es magnonni? Mane tenioc. Tenioni. Elle est toujours là, hein, putain. Mais elle ne dégage pas. J'ai envie qu'elle se barre de mon channel.
Bon, allez, s'il te plaît, est-ce que tu veux partir de ce channel? J'en ai besoin vraiment. Mais je m'en fous de partir de ce channel. Non, parce mais que tu descends en bas, tu descends en bas dans détente, casse pas les couilles, il y a 0 sur 18. C'est mon channel, putain. Non, bah, je m'en fous de ton channel, tu vois. J'étais là, j'étais tranquille avec Maxime, on était tranquille. Ouais, mais il est pas là, il est AFK. Et j'ai envie de. C'est channel chill, t'es pas chill, t'es pas chill. Si je suis chill comparé à toi. Ah non, il n'y a pas plus chill que moi, je suis grave en détente. Hein. Alors dis pas des conneries. Oui, si... Ouais, si tu veux, je dis des conneries, comme tu veux. Attends, je reçois un sub là. Merci Goulezy, abonnement depuis 2 mois déjà. Merci beaucoup. Ah bah tu vois, là il est parti en bas là. Allez, hop, oust, Zara. Il est descendu en détente. Attends, je vais lui dire que t'es en détente. Ouais, elle casse les couilles la meuf là, elle doit descendre avec toi là. Tu lui dis de venir, parce qu'il faut qu'elle se dégage du channel chill. Je m'en bats les couilles de vos histoires là, débrouillez-vous entre vous. Mais c'est une meuf avec qui j'ai eu une aventure, mais elle assume pas. Attends, je vais lui parler. Ouais, c'est bon, il a dit que tu vas, il va te parler. Bienvenue sur Lens FM. Nous sommes en direct avec Zara pour une nouvelle émission. Vous avez vu ce canular qui a été réalisé par Atmosphere. On va quand même accueillir les impressions de Zara dans une émission de radio. Bien sûr, vous êtes suivi par des centaines, des milliers d'auditeurs, que dis-je. Zara, est-ce que tu peux, avoir ta réaction en direct? On est toujours sur Lens FM. On aimerait savoir comment tu as vécu ça, puisqu'il s'était infiltré depuis des mois pour mener cette imposture à bien. Et on voulait avoir ta réaction, Zara. Comment tu vas? Est-ce que t'as une dédicace? Ah putain, c'est énorme. Ah, j'adore ce travail. Casse les couilles. Est-ce que t'as une dédicace à faire passer? On a la radio vraiment, Zara, par contre. On est vraiment sur Twitch et également sur YouTube en direct. Donc, vous voulez simplement avoir ta dédicace avant de décrocher, parce que c'était un canular, un troll monté de toutes pièces par ATM. Et on a pu voir la bonne réaction de Maxime, hein, qui est très friendly pour la gente masculine. Solidarité masculine, ça m'a fait plaisir. Je m'en branle de vos histoires. Et on a des cadeaux à vous offrir. Force. On a des parfums au patchouli d'une valeur d'une centaine d'euros. Si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer ça avec notre auditeur Max, qui recueillera ensuite derrière vos coordonnées. Est-ce que tu aimes le patchouli, Zara? Et des porte-clés? Attends, je lui dis pas. La déco, elle s'est marrée. Ouais, Maxime, on est vraiment en direct sur Twitch. Donc, on est désolé de t'avoir dérangé, d'avoir cassé ton cou avec cette demoiselle. Mais on voulait avoir tes impressions. Je m'en fous. Ouais, mais on est en direct sur Twitch. D'accord. Et oui, il va recevoir. Oui, on va essayer de voir avec le standardiste s'il peut le contacter ultérieurement pour lui envoyer un bonnet. Pour lui envoyer un bonnet CSGO dédicacé, beaucoup mon goût. Et des biens Régis, que tu vas recevoir très très prochainement, Maxime. En tout cas, bien vu, hein, d'avoir joué le rôle du chevalier blanc, un tant soit peu, et d'être un peu friendly avec cette demoiselle. J'espère que tu as une demoiselle qui t'accompagne, on peut t'offrir une croisière si tu veux. La deuxième vidéo, elle se rend pas. Hein. Sur Matt, on a un message, je ne peux pas te laisser de blanc, on est à la radio. Est-ce que tu réponds oui ou non? On est au standard Régis. Et avec Domingo, ça te parle ou pas? Bonsoir à tous, on est toujours en direct sur Lens FM, en direct sur Twitch pour ce canular avec ce troll qui a été mené à bien par ATM. On est avec en compagnie d'ARM et Banya. Bonsoir. Salut à vous. Salut mec, c'était une super expérience. N'hésitez pas à balancer dans le chat si vous avez des messages, des questions à leur poser. Vas-y, dis-nous. Le RP simple était fabuleux, Maxime. On est à côté de Koé, un commentaire. Benyar, s'il te plaît, ou ARM, sur ce qui s'est passé juste avant en direct. Oh, mais j'en reviens pas. C'était extraordinaire. On s'attendait à rien et on a eu rien. On a eu des trucs extraordinaires. Voilà, bonne réaction d'ARM. On va pouvoir enchaîner sur un autre channel. Ce que vous mettez, ce qu'il met, ce mec. Attends, j'allais dire de. Parce que j'ai toujours des évals juste après. Tu vois, moi je connais la preuve, tu vois, une prof genre qui vient, il y a un élève à côté de toi qui a besoin d'aide et tu vois qu'elle a, tu vois sous ses yeux derrière, à côté, ses fesses, et t'as envie de mater tout. Ok, bon, bah, je quitte ce channel apparemment.
Non, en fait, je dis pas comme ça, grand-père. Au lycée, voilà, on était en voilà. Aurélie, par contre, n'avais pas grand-père quand je t'ai fait dégager d'un channel parce que t'as pas tenu le regard. En plus, c'était une jeune prof. Donc, évite de me parler maintenant, vieille micho. Elle était juste à droite de moi et je voyais son fessier. Elle était accroupie. Putain. Attendez les gars, je vais m'infiltrer, je vais voir ce qu'elle dit sur moi. Pour voir si je suis pas trop genouné. Est-ce que je suis genouné? Je suis genouné? Attendez les mecs. Je tente un truc. La vérité, je suis genouné. Non. Terminé. Ah oui. Il m'a inventé un scénario, genre un gros speech, tu vois. Ah ouais. Et après, il fait genre la victime et tout comme ça. Mais bref, là, j'attends à l'œil. Faut que je lui parle. Ouais, ça. Vous allez bien? Tranquille, et vous? Oui, ça va. Moi, je t'entends presque pas. Allô? Oui. Il parle de moi? Je suis bugué, désolé. Merde, attends, j'ai pas de micro, j'ai pas... Ah oui, faut que... J'ai pas eu le temps, j'aurais dû faire... Voilà, il a dit quoi, le mec? Oh, j'avoue, ça a été masterclass. Oh, putain. Attendez. Ça parle beaucoup ici, c'est spécial. Bah, vous parlez pas aussi, écoutez. Bah ouais, mais... Vous voulez qu'on parle de quoi? De la pluie et du beau temps? Ouais, vas-y. Ouais, on parle de pluie, alors. Là, je vous parle avec ma voix, les gars, il va péter un câble ou quoi? Il faut que je fasse une voix qu'elle connaît pas. Attends, j'ai tout visé. Oui. Non, rien. Attends, merde. Non, dis. Attends, je dois inventer une voix. Non, mais je me posais la question, est-ce que t'es arabe? Je suis maghrébine, je sais pas si je peux dire arabe, ouais. Si tu veux, je suis arabe. Ouais, salut. Merde, elle va me reconnaître. Non, avec le micro, là, on va me reconnaître. J'ai pas branché la cam, les gars. Okay. C'est très bien, Lucas. Attends, au pire, je parle. Vous avez tous des origines maghrébines? Non, heureusement. Moi, j'en ai. C'est bien, heureusement. Ah ouais, d'accord. Sania, pourquoi? Sania, pourquoi heureusement? Heureusement à la fin de temps. Ouais, pourquoi heureusement, Sania? Bah. Donc, heureusement, ils entendent quelque chose. Genre. Mon micro, il marche? Mon micro, il marche? Ouais, non, mais c'est. Il marche pas, il fonctionne. Ah. Non, mais. Hein, Sania? Quoi? Du coup? Il sous-entend quoi ton. Il y a rien contre les Arabes. Alors, moi les Arabes, ça peut me déranger éventuellement s'ils font des choses. Réputation. Oh non, mais je sais pas ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, déballe ton ce que t'as à sortir là, genre. Moi, je sais pas, ça va vous me le dire. Ben non, on a rien à dire, enfin, on fait rien. Non. Optimus, moi j'avoue. Et pourtant, et en fait, je pense que Sania, t'as des préjugés sur des. Bah non, pas du tout. Enfin, on voit un peu les Arabes. Alors, si je peux me permettre, ouais, faut éviter les clichés sur les Arabes, hein, vraiment. Ah, mais non, moi j'ai vu. Comment ça passe cette voix? Parce que si tu veux, j'habite dans le 93 et t'as vu, le 93, c'est déjà pas. Voilà quoi, et je vois beaucoup d'Arabes. Ouais, mais ils sont pas tous comme ça en fait. Des Noirs. Enfin, c'est pas ouf quoi. Mais toi, t'es blanche? Oui. Mais ça va, ils t'ont pas violé ou quoi que ce soit. Pourquoi t'as un préjugé sur elle? Bah, comme... je sais, mais. J'ai déjà vu. J'ai déjà assisté à des situations. Bref. Ouais, mais ça, c'est des racailles. Était vraiment. Faut pas mettre tout le monde en vrai, ça. Exactement, ouais. Ben, j'ai jamais dit ça, hein, mais. Bah non, si, parce que. Vois, attends, heureusement que attends, je suis pas là. Là, t'es en train de généraliser la chose. Bah oui, heureusement. Oh là là, ça part en débat politique, moi je vous laisse là-dessus. Non, mais il faut que tu restes. Non, bah là, non. Tu généralises la chose, tu dis que tout le monde est pareil, bref. Bah non, pas du tout. Tous les Arabes sont pareils. Bah si tu te sens... En soi, si.
C'est pas mon souci. Enfin bref. Ouais. Flemme d'écouter, il y a un gars qui a mis... Hey, t'es BG, toi. Il a une belle chambre, hein. T'as qu'à y aller, ton petit nom. Tu veux quoi, toi? Arrête de me parler comme ça, s'il te plaît. Attends, je vais dire Zara, après tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Zara? Elle m'a reconnu. Attends, je l'attends, elle a changé de Chanel. Oh putain, j'adore ce travail. Get up. Alors. Hein? Compax? Oh. Yes. Quoi? Je suis parti. Ah. Bah, je t'ai envoyé plein de textos, ouais. Ouais, bah, go. Bah, là, je stream encore, vas-y, c'est plaisir. Mais, tu pars à quelle heure? Dans une demi-heure? Une heure? De quoi? Ça va 21h, non? Comment? Ça chill ou pas? Grave. Grave, et toi? Ça chill bien, ouais. Ah, ok. Salut, enchanté. Oula. Belle voix, hein? Grave. Ouais, on est tranquille, je suis en train de parler. On parlait de sa chambre, justement. Ça passe? Ah, bah, il est parti. Mmh. Bonjour. Putain, je pourrais. Ne t'es pas dans tes plans. Bon, allez, j'arrête les trolls Discord. Hein. Mais c'était sympa quand même. J'ai bien aimé. C'est pas grave. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Ça me paraît pas trop mal. Moi, je pars déluge comme d'hab. Moi, je suis une greluche comme d'hab. Je suis une bouffonne de base. Aya, ça parle trop mal. Non, le mec, il a une PDP Fortnite, il ouvre sa gueule. Attends, c'est à moi que tu parles? Bah. Ouais, attends, c'était pour rebondir sur tes propos, ça va, c'est de l'humour, mais arrête de. Pourquoi tu. C'est Valorant en plus. C'est bien Valorant, t'es méchante. C'est un super jeu, il y a pas mal de gonzesses d'ailleurs dessus. Hein. Bon, je cautionne pas ce qu'il dit le mec, hein. Juste Valorant, c'est bien. Non, mais t'es mon pote. Non, mec, je te connais pas. Ah, ok, mais t'apprendras à me connaître. Non. Et t'apprécieras ma présence bientôt. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Je mouille. Viol, arrêtez. Je mouille. Je suis pas consentant. Oula, toi tu dois être un genre de bobo. Ouais, je comprends pas. Regard appuyé, allez, amende de 60 euros. Mais ferme-la, vas-y. Casse pas les couilles. Moi? Mais ouais, moi, je suis. Non, mais. Je suis un petit richou, mec. Bah oui, mais je l'ai bien compris avec ta tête là. Tu manges des graines et tu bouffes du boulgour, c'est ça, tu vas nous dire. Exactement, oui. Voilà, bah alors me saoule pas avec tes histoires, ça intéresse personne. Moi, je suis là juste pour draguer la petite demoiselle là. Ça va marcher. Bah si mec, il y a encore une semaine, mec, j'ai dragué une meuf de LOL, je l'ai pécho IRL et voilà, je l'étège. Donc c'est pas ça qui m'empêchera de la draguer. Du coup, ce que tu viens de dire, en l'occurrence, oui, du coup. De quoi? Non, 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 c'était une meuf de LOL, mais je joue pas spécialement parce que... Oui, d'accord. Voilà. À la base, je suis un genre de CS. Tu viens tribush? De quoi? Ouais. Sur mes bushs? On est sur LOL là en fait, c'est pour ça. On ah ok, bah bonne game les gars. On est dans un salon gaming je crois. Ok, mais vous êtes pas intéressé pour jouer à Valo là? Bah du coup, on est en cours de LOL, ça va être compliqué. Ok, bah bonne game à vous. Moi je suis chaud. Hein. Et je glisse dans des DM tout à l'heure, Gér. Ok? Non merci, mais bonne soirée. Ciao, bye bye. J'ai dit moi je suis chaud pour Valo. Hein. Valo. Comment pas trop bâche? Je me fais enculer, moi. Ah ouais, c'est non merci, bonne soirée, alors que j'étais super gentil avec elle. Enfin bref, ouais, vas-y. Ça m'a blasé. Okay, pas... Drake. Ouais, en fait, je répondais à MP. Vas-y. Moi qui pensais vivre quelque chose de fort avec elle. Mais personne, de toute façon. Ouais, je fais mes courses au Biocop, je paye une migraine. Bah, en vrai, je pense qu'on va essayer de les grab, hein. Pour continuer à remplir les... Je pense qu'on win le level 1, en vrai. Bon, allez, laissez. Attends, je vais réussir. Dire que tu te tapes ma petite soeur. Loru, on était ensemble, toi et moi là-haut, pourquoi t'es parti? Je crois que je t'aime pas.
non. Et Toclastico. Et pourquoi ça? C'est quoi? C'est ma voix qui te... Bah, je sais pas, genre... moi, y a pas de feeling, je quitte, quoi. Enfin... Mais après, en fait, j'ai un peu vomi dans la mouche, donc après, j'ai un peu ravalé mon vomi, donc ça m'a encore... Non, mais après, voilà, tu... c'est la première impression, après... Si on apprend à se connaître, voilà. Ah bah, si tu veux, je peux continuer sur le sujet, alors. Mais du coup, vraiment, le goût du vomi, tu sais... Mais là, non, mais ferme ta gueule. Mais ta gueule, mais ta gueule. Il est en train de manger, ferme ta gueule, il t'a dit. Ferme ta gueule. J'avais mangé un steak haché, il est... On s'en bat les couilles, ferme ta gueule, il t'a dit, il est en train de manger. Bouffonne, va. T'es une bouffonne ou quoi? Il est en train de manger, respecte-le, quoi. En plus, tu me respectes même pas toi-même. Tu me dis que je suis une bouffonne et après... Mais c'est parce que tu casses les couilles, il t'a demandé de te taire. T'es en train de parler de vomi alors qu'il est en train de manger, je le défends, c'est tout. Solidarité masculine. Ça va et toi? Bah non, mais j'aime pas que tu vois ça. Moi ça va. T'inquiète, ça 25, va, 20, t'inquiète, 25 heures, je suis avec toi, frérot. Je viens de prendre moi aussi, je suis un bouffon. Pourquoi j'ai fait ça? Va. Qui a dit que c'était un bouffon? Toi, là, toi, assume tes propos là, la meuf qui s'intenie tout. Parlez de toi, John. Okay, j'ai pas peur d'assumer mes propos. Hein. Mais t'auras peur de moi si tu te retrouves face à moi. Pas je fais du judo, tu vas faire quoi? Je te mets à terre. Pas du tout. Mais moi je te mets à terre juste parce que je suis trop... Juste parce que tu t'appelles Magali, tu fais 130 kilos, c'est ça? Merde, j'aurais pas dû pas le poids, putain. Je m'appelle pas Magali et je fais plus que ça, donc... Sérieux? Donc respecte s'il te plaît. Sérieux? Non mais en plus vraiment j'aimerais bien sortir avec une femme un peu forte, vraiment. Ça me plaît. Ça tombe mal parce que vraiment tu me plais pas, quoi. Mais attends, je t'ai pas envoyé ma photo. Attends deux secondes. Ah non, mais en fait le truc c'est que moi j'aime bien les vagins, donc le problème il est là en fait. Ça va, c'est bien. Et le je crois que va, tu es doté d'un pénis. Mais ça va et toi, Athénéa? Ça va, tout pareil. T'as vu? Donc en plus d'être grosse, elle bouffe des minous, putain, merde. Et non, pas encore, mais j'aimerais, hein, putain. J'aimerais. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé alors dans tes expériences? Pourquoi tu t'es détournée alors de... Ben, la jante masculine me dégoûte, bonsoir. Et puis, c'est parce que t'es pas tombée sur une belle bite circoncise et surtout un mec bien... non mais vraiment, qui s'est bien rasé, non mais vraiment. D'accord, bah toi aussi alors, t'es hétérosexuel parce que t'es pas tombé sur le bon mec. Comment ça? Peut-être, ouais, je sais pas, ouais, peut-être, ouais, je suis pas encore tombé sur le bon mec, mais là pour l'instant je suis hétéro, en CFG de base. Et bah pour le moment, moi je suis lesbienne. Oui, mais pas en CFG de base, parce qu'avant t'as goûté Audi. J'ai pas goûté Audi, je suis vierge de tout tac. Ah, d'accord, ok, c'est ah bien. Bah voilà. Je peux devenir une bonne sœur à tout moment. Donc aucun homme ne veut de toi, putain, c'est dommage. Tous les jours, ah non, 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 les hommes veulent de moi, hein, t'inquiète pas. Bien. Juste à montrer une galère et puis c'est fini. Hein. Montrer quoi, tes genoux à l'air? Non, en fait, je voulais... Ouais, mon genou à l'air, ouais, tout à fait. Genre, bah, toi, le donc l'arrière du genou est vraiment très attirant. Désolé, en fait, ça donc, va. J'aime bien les filles comme toi, voilà, qui cherchent encore et qui n'ont pas encore découvert le vrai plaisir. D'accord. Mais je te souhaite vraiment de trouver l'amour et trouver une personne qui te comblera. Elle t'a répondu. D'accord, ok. Voilà. Ah. Ok, bah tu peux. Appelle sa mère. Je te vois bien avec 25 heures, je sais pourquoi. Ouais. Tu m'as pas vu, tu peux pas me voir. Moi je me vois pas avec elle. Hein. Non, je te vois encore mieux, en elle, vraiment. 25 heures, vu non, vraiment, je la touche. Après John, c'est pas contre toi, hein, mais. Après juste ta gueule. Après l'acte de con qu'elle a fait tout à l'heure, je la touche pas avec un bâton. Ah ouais, en fait, elle a pas une bonne si bonne personnalité, une bonne mentalité, d'accord, ok. Bah je sais pas, j'ai dit que j'étais en train de bouffer, elle a continué à parler sur sa gerbe. Mais c'était une blague, oh. Le boss, les gars, mais oui, bah, rigoler maintenant. Mais non, mais c'est en attendant, c'est boss. Vraiment dégueulasse, j'étais vraiment en train de manger. Oh le boss, vraiment le monde, les gars, c'est une blague. Désolé. 25, t'as plus du drama là, parce que c'est vraiment rien du tout, c'est pas le mieux. C'est vrai, mais je m'en bats les couilles. Oh non, c'est une connasse, elle a continué à parler alors que je disais que c'était dégueu. 25, mais quand tu manges, je te tirerai dans la bouche, tu vas kiffer, tu vas voir. Ah. T'es un bon 25 heures. Je suis d'accord avec toi, tu la mérites pas. Tu mérites vraiment autre chose. Si c'est toi, je suis gars, ça va. Ah, d'accord. Donc moi, je vais me faire foutre. Mais toi, t'aimes pas les queues, dégage. C'est vrai, mais bon, au moins, entre potes, là, je sais pas. Ça, on peut rendre service à un. Tu te fais remballer de l'oru, hein. Ah ouais, dommage, hein. John, comme je t'ai dit, il faut savoir se taire. Bah quoi? Non, mais moi, je constate un fait, voilà. Apparemment, tu te voyais vraiment être pote avec lui et il t'a remis en place. Par contre, John, la vérité, ouais, t'as la voix d'un youtubeur. Ouais, comment t'as su? Ta chambre. Effectivement, ouais, je suis youtubeur, ouais. Non, non. Mais toujours avant, il était pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, on est parti pour une nouvelle vidéo. Bah alors, quel youtubeur tu es alors? Je préfère garder l'anonymat, mais tu t'apprendras très très prochainement, on te donnera des amples informations. Bah dis donc.
Non, mais c'est plus sympa de deviner, c'est plus sympa. Je crois, non. Tu... Pourquoi tu penses à qui? Tu penses à qui en premier lieu? Mais avant, t'es vous n'avez pas une autre couleur? Un youtubeur connu qui? Plus, non. Mais avant, t'avais pas les murs d'une autre couleur? Mais je sais plus son blaze. Non. Parce que je suis pas bonne à l'heure. C'est peut-être vu que. Tu penses à Snaku? Master Snaku? T'as cru que c'était une autre couleur? Ah, peut-être. Il est dans. Il a un tatouage avec des traits. Je pensais qu'ils étaient bleus. Mais attends, il a un tatouage, tatouage avec des traits. Attends, parce que attends, je suis en live. Attends, vous pensez à qui le chat, les gars? Très fort. Alors, ils me disent Zaker, GMT, Gibbsy, Grégouz. Oui, Gibbsy. Ah, Gibbsy. Putain, en plus, je le connais bien, Gibbsy. C'est le frérot. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est son frérot, ouais. Je le connais. Ouais. Bon, je veux jamais me croire, mais en plus, je le connais vraiment. C'est bon, c'est pas grave. Mais ouais. Non, mais non, je ne ressemble pas à Gibbsy. Je ne suis pas Gibbsy. Non, mais pas physiquement. Je te parle vraiment juste à vous. Ouais, y a un petit tard, en fait. Allez. Go RP Snaku. Parce que je me disais, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Puis j'étais en mode mais. Cette voix, t'es familière en tout cas. Que... D'accord. Mais où alors? Sur une vidéo, une pub? Peut-être une pub ou un dos, je sais mais pas. Où. Mais putain, mais t'es biglou ou quoi? C'est tout à l'heure. Oh! Oh putain, les mecs, ça trouve qui m'a vraiment un parfait bâtard. Je crois pas que Gibbsy ferait ça. Ouais. Ça, c'est le. Super. C'est un gros nom. Non, mais 25, il a disparu. Nana BE peut-être. Oh. Ouais, mais c'est pas moi, il était sur le côté, après il a disparu. Doucement, Athéna, ça va bien se passer. Événement à Beaugrenelle. Non, ça va pas là. La nouvelle scène française s'invite au Beaugrenelle Music Festival. Voilà, reviens. Voilà, ouais, vous m'avez connu là-dessus. Pourquoi tu te mutes? Tu parles? Ouvre la bouche. C'était quoi l'autre truc? C'est ah ouais, grain de sable. Ah. Ben, contre... toi, si t'es en train de mourir. Par contre, Athéna, t'as fini de te toucher là, on entend des gémissements là, c'est relou. Hein. Mais c'est pas moi, c'est ma sœur. Quoi? Ouais, bah aide-la alors. Avec ta sœur. Non, mais elle a 5 ans. Athéna, il faut filmer quand tu fais des trucs comme ça. Elle a 5 ans, elle a 5 ans, non, faut peut-être pas, non. Ah. Peut-être pas non plus. J'ai 2 S. Vous allez aller en prison, moi ça va, mais vous. J'ai 2 S, vous êtes des bâtards, les gars. Pense à vous. Team grain de sable. Après, bon, la tôle, c'est quoi au juste? C'est vrai, de toute façon, à la sortie, ah on sera toujours là. Vous voulez que je pose des questions? Alors, si vous avez des trucs à poser, des questions, les gars, sur lui, dites-moi, les mecs. Alors, si tu entres en tôle pour... dites-moi, les mecs. Pédopornographie et tout ce qui est quoi que ce soit qui a un rapport avec de la pédophilie, je suis pas sûr qu'en ressortant... Enfin, je suis pas sûr que tu ressortes de tôle. Sur sa déco, un truc, une remarque. Si, totalement. Bah, normalement, tu n'aurais pas en prison. Parce que la peine maximale en France, c'est que... Ah non, mais pas... Tu peux pas avoir plus... Pas par rapport aux peines de prison ou quoi, juste par rapport aux mecs dans les tôles, s'ils apprennent que c'est parce que t'as été un peu... Ah, genre en gros, tu cannes. Non, ouais, mais je pense qu'ils te mettent en isolement, ils te mettent dans un endroit spécifique. Hein. Mais franchement, laissez-les crever. C'est une très bonne idée de protéger des pédophiles. Non, mais ouais, dis-toi, il y a un tueur qui avait tué la petite Maïlis, là, le taré. Ah, il s'est fait tuer. Hein? Non, il s'est pas fait tuer. Enfin, son procès, là, il va arriver. Il a tué plein de monde. Pas que la petite Maïlis. Hein. Donc il l'a alors, tué. Alors qu'est-ce qu'il a? Donc il a tué. Ah oui, il a tué la petite Maïlis. Hein. On avait retrouvé ses droits. La petite Maïlis. Pourquoi qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai ce qu'il dit là? Ah quoi? Non, le Landais. Oui. Je savais plus son blaze, mais bon. Bref, ce mec. Et en fait, s'il se prend une peine, il aura pas plus que 25 ans. Parce que c'est la peine maximale. Ah ouais, c'est dégueulasse. Hein. Et en plus, il va être isolé alors qu'il a violé, tué cette nana. Enfin, cette petite fille qui était mineure. Donc, pédophilie. Testibule, s'il te plaît. Et en plus, meurtre sur enfant. Et en plus, il a tué d'autres gens par la même occasion. Et peut-être ça, c'est même horrible, ça. Par contre, elle a raison là-dessus. Hein. Et il aura ouais, pas... mais après, tu sais, il va prendre 10 ans tout au plus pour bonne conduite. C'est ça le pire, plus, ouais. C'est ça, non mais... Mais ça, c'est incroyable, genre, parce que c'est quoi qu'ils appellent bonne conduite? Genre, bah, c'est le temps... Le temps du séjour de la prison. Ouais, c'est genre, il tue plus, il tue pas d'enfants, il viole pas d'enfants. Bah, il y en a pas, oui, c'est normal. Non, non, mais qu'il agresse pas les autres personnes qui sont là-bas. Bah, tant qu'il y a pas d'enfants, lui, il s'en fout, il sait pas ça. C'est pas... Il a déjà tué aussi des adultes, hein, aussi, je crois. Ah bah, oui. Ouais. C'est vraiment un vilain. This is a secret boy. Oh yeah. Pardon. Ah oh, la gêne. Ah, la dernière fois, ma pote, elle a trouvé des nuggets par terre, elle les a mangés et elle a trouvé la personne à qui c'était les nuggets. Il y a mon chat qui demande si t'es un fan de One Piece 25 heures.
Non. Quoi? Est-ce que t'es fan de One Piece? Ouais. Oh putain, vous êtes trop chaud les mecs. Vous êtes trop chaud les gars. Comment vous avez su qu'il était fan de la meuf sur un compte de ma ville, elle a écrit qu'elle avait laissé ses nuggets. Vous êtes trop chaud, que quelqu'un lui avait volé. Voilà, vous êtes trop fort. C'est drôle parce que je sais que c'est elle qui les a mangés. Ah, le 4 derrière. Ah ouais, d'accord, bon, ça va. Quoi d'autre, les là, mecs? Là, on rigole, je sais pas si t'as vu. Ils veulent savoir ce que c'est que le requin derrière. C'est quoi? C'est une peluche que t'as gagnée ou... C'est une peluche qui vient d'Australie. Non, mais t'es en train de l'analyser, on dirait. Non, non, parce qu'en fait, j'en ai demandé sur le décor ce qu'il pouvait nous en dire, enfin le chat, et donc du coup, le. Ok, donc, ah, c'est grâce c'est au cadre un derrière. Tu bois de la Monster. Vous tu veux en parler? Qui, moi? Non, l'autre, là, ce clochard. J'entends pas, je sais pas, j'ai muté le dernier, là, Athéna. Pourquoi il parle? 25? Mais t'as non, il pas parle 25. De la merde. Ah, l'autre? Non, il rigole, okay. Il fait des petits bruits. D'accord. Ah, elles sont parties, on est que toi et moi. Enfin, avec 25 heures. Et donc, oui. Vous connaissez? Ben, malheureusement, mais je l'aime pas trop, quoi. Genre, c'est vraiment... Ah, vous êtes vu dans la vraie vie et tout, hein? Ah, non, non. Ah, heureusement, pourquoi? Parce que sinon, oh là là. 25 heures, j'arrange ça pour toi, t'inquiète. Athéna, et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un problème? Vous habitez dans la même ville ou pas? Pas très loin de l'un de l'autre? Ah non, malheureusement. Ah non, mais il habite trop loin, lui, c'est un nordiste. Et alors, il y a Ouigo, hein? Ben oui, ben, je crois que j'ai les sous, je crois que j'ai l'argent. Mais ouais, t'es encore étudiant à Paris, mon pote. Ah, je pense que le geste veut en dit long. C'est elle qui demande, hein, c'est pas moi qui veux. Mais... Ah ouais, t'es bien, mais vas-y, en plus c'est toi qui demande. Non, on va arranger ça, les gars, dans le chat. Désolé, moi j'ai aucune raison de venir à Paris, parce qu'il n'y a rien à voir, par contre, le sud... Ah bah si, la capitale, moi j'y habite, donc il y a tellement de choses à voir, il faudra découvrir... Bon, sa tour Eiffel, et tu vas découvrir la vraie tour Eiffel aussi. Tu vois, ça va être quand je vais voir. Ça va être quand Athéna m'aura vu. Enfin, avant qu'elle me voie, plutôt. J'ai peur de ce qu'il va faire. Ah. Pendant qu'on se verrait. Après qu'on s'est vu. Après qu'on s'est vu. J'ai l'image. Très bien. Mais non, mais moi, j'ai aucune raison de venir à Paris, à part pour mes amis. Apparemment, t'auras un plus gros nombril. Bah voilà, viens. Mais oui, mais sauf que ma seule amie de Paris. T'as dit qu'il va à la Kenne. Je peux pas aller chez elle. Bah, tu viens chez moi, tu arranges le coup, c'est pas grave. J'ai une maison et j'ai un studio attenant. C'est ta seule amie de Paris? Enfin, non, mais genre, c'est une amie que je connais dans la vraie vie, que ma mère elle connaît et tout, et ma mère elle veut pas que j'aille chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle dit Paris c'est loin, en plus je serais et pas si, là. Et si il t'héberge, c'est bon. Ben oui, mais en fait la meuf elle m'a proposé de. Non, mais pas la meuf, lui, 25 heures. Mais elle va dire non, t'es bête ou quoi? Mais non, mais 25 ans, il vit tout seul, t'es quoi? C'est une chambre étudiante que t'as? C'est quoi? Ou c'est un studio que t'as? Il habite chez sa mère. Chez mes parents, hein. Ah. J'ai 17 ans, gros. Tu m'auras. Ah, mince. Pourquoi t'as quel âge, Athéna? Rencontrer ma belle-mère et mon beau-père, j'ai 15 ans. T'as 15 ans, 17-15 ans, ouais, le gap est bon, normalement, on est encore bon, ouais. Vous en pensez quoi, le chat? Comment ça, t'as 15 ans, t'as pas 16 ans? Oui, non, j'ai 16 ans le 15 janvier. Ah, bah ça va, 17-16 ans. Ça passe, les gars? Oui. Ça passe large. Ah, donc je comprends mieux là, avec le chouchou ce que tu es en train de faire en fait maintenant. Ouais, moi aussi. Je viens de je comprendre comprends mieux, ouais. Ce que le destin a voulu me dire. Mais non, mais si je monte à Paris un jour, je te préviendrai. Bah, ah, bah voilà. Bon, bah c'est bon, j'ai plus rien à faire du coup. C'est bon, c'est une histoire qui va rouler alors du coup. Ça me rassure. Faut que je monte à Paris. Ah, tu me fais quand le haul au fait? Mais il entraîne sa dextérité, ça passe tant que c'est pas les mains. Vas-y, bouge ton cul. Mais oui, mais j'ai 14 000 robes. Va essayer 14 000 robes, toi. Non. Bah, t'essayes ça et tu mets des collants chauds. Hein. Ça tombe bien, c'est pas moi qui dois les essayer. Putain. Mais non, mais en assure, j'en ai tarpin, j'en ai trop, j'en ai, je les mets pas. Elle vient trop triste, je peux te caler dans une histoire vraie si tu veux, Waligi. Et bah, mets tes préférés. Y'a Toffer! C'est juste un haul avec tes préférés. Comment il va, Toffer? Putain, mais il a mis au moins 5 mois avant de venir ici, revenir. Mais en vrai, je te fais ça un jour. Oh, t'as raté tellement de trucs, Toffer. La fois où j'ai grave envie d'être belle, Flemme, va voir la rediff, va voir les rediffs, mais flemme, t'as raté tellement de choses, Toff. Oh putain. Est-ce que je lui montre Régis ou pas, les mecs? Y'a toute sa famille qui a débarqué dans sa chambre. Ah. Mais elle a dit qu'elle avait pas une pizza. Ah, y'a ta maman. Bah, on lui perce le coucou d'ailleurs, tiens. Maman, 25 heures. Ma famille. Ah, et la famille. Non, moi, ma mère, viendra pas dans... Elle va t'appeler pour aller manger à 20h, normalement. Ah, mais j'ai 20h dépassé. Non, mec, j'ai le Covid, du coup... C'est vrai, t'es tout seul dans la chambre. Oui, c'est pour ça que je suis enfermé dans ma chambre. Oh, putain.
Non, Tuffer, tu vas pas monter parler à la demoiselle, elle a que 15 ans. Tu viens pas nous. Non, je parle à Tuff. Je sais pas si tu connais. Oh, vous savez ce que je vais manger? Je vais pas manger 25 heures, malheureusement. Je vais manger. Un truc, c'est trop bon, mais vous connaissez pas parce qu'il y a pas ça. Ouais. Mais c'est un truc trop bon à Marseille. T'as quel âge? Tu veux vraiment venir? Sur le Discord? Non, mais arrête, allez. Voilà, comment ça s'appelle? Bah attends, je vais te lire parce que. Mais là, elle est sur ce mec-là. Je sais que je trouve. Mais elle a 16 ans. Il y a Tuffer qui veut venir te rencontrer, apparemment, tu lui plais. Chicken Drive. Athénéa. Non, il n'y a que moi, oui. Ça y est. Athénéa, Chicken Drive. Athénéa, oui. En ce moment, c'est que 25 heures, t'as des yeux pour lui ou, ou pour l'instant, c'est juste pour le fun J'ai deux yeux, donc... Oui, non, mais j'ai compris. Non. Ah, ok, non, ok. Quoi? Ah non, il est en couple, on se parle. Ah, ok. Elle est débile, hein. Et un mec qui vit... Mais non, mais je sais que... Mais t'es... J'ai peut-être t'es un mec bête. Pour toi qui vit à Malte et qui est très riche. Non. Il est dans des dramas en ce moment, donc je sais pas trop. Qui te fait? Non, il est pas dans des dramas. Ah, ok, non, je pensais que tu parlais de... Enfin, non, genre, c'était pour... Enfin, je pensais que tu rigolais, que tu... Ok. Non, non, je rigole pas vraiment, mais bon... Grave, ben s'il est riche, moi, je prends tout type d'argent. Attends, à Malte, qui est en drama à Malte? Dis-moi. Tu parlais d'un gars. Non, c'est un influenceur. Genre, mais vas-y, dis, parce qu'il le connaît peut-être, vas-y. Il est avec moi dans le chat. Ah, elle parlait de Locklear. Ah, tu parles de Locklear. Je sais pas, je crois. Son serveur, c'est Locklear Industries. Ouais. on le connaît bien ici, ouais. Putain, pourquoi Locklear, il passe plus sur YouTube, putain. Il aurait rigolé aussi. Putain, il a vraiment parlé de Lock. C'est magique. Ma chaîne, ouais, c'est... Est-ce que je la fais la 25h, puisqu'il est, c'est le frérot, il est friendly. On lui donne ou pas? Mais tu la gardes pour toi, par contre. Hein. Tu la donnes à personne. Hein. Ouais. Ah ouais, parce que sur Discord, je suis incognito, ouais. Attends, je t'envoie ça. Je l'envoie, les gars, parce qu'il est, il est friendly. Comment on fait? On est toujours en direct? En plus, tu m'as dit que tu l'avais croisé. Oh, Oasis, non, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un Twitch. Qui voit Oasis, wesh. Ah, ma chaîne Twitch. Comment dire? Tuffer, qu'est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? Non, il n'y a pas de chaîne Twitch. Je suis pas en live sur Twitch. Je suis que sur YouTube pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Enfin, c'est juste que j'ai... Moi, tu mens. Menteur, tu mens. Si, vraiment, j'étais banni sur 25 Twitch. 25 heures, est-ce qu'il est en live sur... J'étais banni sur 25 heures. Oups, je vous ai fait tomber. Enfoiré, Tuffer. Ah, la honte. Ta gueule. Mais Tuff, je reviens sur Twitch, mec. Mais je fais un carnage. Tu sais très bien que je suis en overbuzz. Salut à R... Tu le sais en plus. Mais t'es pas en live sur YouTube. Salut là. Athénax. Ouais, c'est magique, ça va. Si, tu peux regarder. Attends, YouTube, ça regarde bien, je suis vraiment en live. Ça va, et toi? Attends, on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Ah ouais. Connais ton grand-père. Les bons morts. Non, mute-le, c'est un gars qui stalk, s'il fait de la merde, il est pas drôle. Ah bon? Mute-le, ouais. Il est vraiment en stream? Il est vrai, la tête de homme, il est en stream. Ah merde, salut Tuffer, ça va. Mais t'as une belle tête, pourquoi tu. Regarde ta fille, il a coupé la cave. Tuffer, Viens, non. Mais pourquoi t'es timide? Attends, je vais la remettre. Ils me croyaient pas depuis le début, mais les gars, si je suis vraiment avec Tuffer. La tête de mon ministre. Envoie le. Pas le YouTube à Tuffer, mais le Insta à Tuffer. S'il te plaît, c'est pour un pote. Attends, j'envoie ton Insta à Tuffer, ok, vas-y. Envoie son compte en banque aussi, s'il te plaît. Je sais pas s'il sera intéressé. Hein. Pour un pote. Non, mais lui, il veut toi. Ah, ton Insta, c'est l'Insta Tuffer, c'est Tuffer Off. T-U-T-E-U-F-E. Attends, je vais pas faire deux choses en même temps, là, je vais manger. Attends. Ah bah, c'est. D'accord, t'as changé juste. Ok. Il a mis une ambiance, les mecs. Il va mettre les lettres rouges. J'ai mis de la couleur un peu et tout. T-A-U-O. Non, Tuffer. Comme Tuffer, un mec qui fait de la teuf. Et après, S-O. S-O. Au pire, on voit lui, elle galère. Il vient de le mettre dans le chat. Mais je suis pas dans le chat, il est bête ou quoi? Pas une grosse pute. Pas une grosse pute. On verra dans les... Attends, vas-y, attends deux secondes. Tuffer. Ah, c'est magique, hein. Mais il te l'a mis en plus dans le chat. Au pire, tu lui envoies le stream, c'est pas grave, 15h, 25h. Mais il est bête, est-ce que je suis dans mon truc, moi? Tu peux m'appeler 25. Il est vérifié, c'est facile à trouver, tu tapes bon, Tuffer, avec un off à la fin. Attends, je mange. Mais oui, j'ai trouvé. Mais attends, je mange. Tuffer, ça va, elle t'aime bien? Bah, elle, tu la mets dans un incubateur, tu fais comme The Kerry, et t'attends 2 ans. Hein. Et on est bon, hein. Vraiment, hein. Oui, bah, c'était pas content, Thénax, tu dégages. Du coup. Enfin, qui es-tu et d'où viens-tu et...
Présente-toi. Elle va vouloir certainement un vol en jet. Par contre, teuf, info sir, si je viens, moi je veux un vol en jet. Hein. J'ai vu ton Insta là, c'est un délire. Hein. Il y en a qui te posent la question en 25h. Pourquoi tu t'appelles 25h01? Il n'y a pas d'idée, c'est un clochard. Il n'y a pas de clochard. Quoi? T'as dit quoi sur mon ami? Parce que c'est comme ça. C'est mon ami. Je pensais que tu parlais de teuf. Ah non, ah. Je parle de lui là. Lui là. Moi. Ah, poteau. Bah oui, poteau. Bah bien sûr, poteau. On va voir si c'est des poteaux. Non, mais ton ami, c'est vrai qu'il m'a l'air riche, donc ça m'intéresse. Ouais, mais bon, c'est l'âge, hein. Faut que j'en parle avec lui. Hein. Non, mais t'inquiète, dans 2 ans, je suis majeur. Et là, cette année, je suis majeur sexuellement, donc ça va. Ah, attends, c'est dans 2 ans, majeur sexuellement. Mm-mm. C'est pas 15 ans? Mm-mm. Attends, il est en train de boire, là, en train d'avaler un truc. Et après, elle est à toi. Enfin, on va l'entendre. Ah. Ça dérape. Sérieux. Putain, mais après, je sais pas, 25 heures, c'est propre à cette génération. Les jeunes sont comme ça, ils attendent l'opportunité, trouver un mec. Mais elle peut très bien se débrouiller par ses propres moyens. Et tu dis, je ne sais pas, rigole, faire monter un business. Bah, les couilles, c'est une vanne. Ah ouais, mais non, mais parce que tout à l'heure, pareil, c'était pareil avec une autre demoiselle. Donc je me suis dit, putain, mais c'est la mode ou quoi? Avec qui? C'est quoi? Non, moi, je suis une rigolote. Haha, okay. Rigole ici. C'est quoi, ok, c'était drôle. L'autre. Oh, mais ils m'entendent ou pas? Bah oui, on t'entend depuis tout à l'heure. Ah bon? Ah, je suis choquée. Je suis déjà chez elle. Regarde Twitter et ajoute mon nouveau Discord, je me suis fait. Du coup, c'est quoi son pseudo à l'autre meuf là qui voulait de l'argent? Dans ce Discord? Ah, moi, je lui raconte de l'argent, ouais. Je raconte un c'est la meuf, elle s'appelait comment les gars dans le chat? Aurélie, je crois, un truc dans le genre, elle est encore là. 14 ans, hein. 14 ans elle avait. 14 ans, putain. Attends, Tuffer, il m'a demandé, regarde Twitter et ajoute mon nouveau Discord. Mais c'est. John, tu voulais pas. Oh, teuf, t'as raté un. T'es des lives, gros, mais teuf. Salut, Variax. Est-ce que je te fais en 2 secondes parce que je vais pas tarder à quitter là? Tu m'as oublié? Ben non, j'ai pas répondu en fait. Attends, il m'a demandé d'aller sur Twitter, il m'a DM certainement. Attends, je vais voir. Pourquoi tu veux venir sur Discord? Ouais, je t'envoie. Je suis sur Insta, c'est-à-dire si t'as pas regardé, fallait regarder, c'est ton problème. Tiens, mon nouveau Discord. Salut, c'est Sima. Teuf, You Summer. Et attends, envoie mon Insta. Non, mais en fait, non, il est majeur, oui. Non. Bah c'est pas grave, mais t'inquiète, hein, je te l'envoie. Non, mais je suis en compte privé. Attends, je l'envoie, il m'a DM Twitter. Mais je suis en compte privé. Bah c'est pas grave, il va t'ajouter. Qui est majeur? Devinez. Quoi? Attends, mais John... Tu viens d'où, Summer? Attends. Summer, t'es... C'est excellent chez toi, là, t'es où? Attends, regardez, regardez. C'est moi? Attends, c'est incroyable. Il a fait une caméra stylée, c'est pour ça. C'est... Tu n'as vu que... Après, c'est pas un faux d'accord ou quoi, regarde. Excuse-moi, Leroux. Attendez, les gars, parce que là, je viens de recevoir 1000 euros de dons, là. 1000 euros de dons. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah, est-ce que non, Barbie, vous êtes là? Oh, encore toi? Quoi? Mais Tuffer, t'es un malade! Putain, ça faisait longtemps que t'as direct à la ceinture. Merde, d'avoir 1000 balles du jet. Est-ce que... Let's go! Prends pas que! Prends pas que! Prends pas que! Prends pas les couilles, j'y suis allé! Prends pas! Prends pas! Calme-toi! Laisse-moi qu'il prenne les gars dans le chat! Bon, allez, on a qu'une vie, les gars, cascade! C'est parti, on est sur YouTube! Plus rien à foutre, les mecs! Plus rien à foutre! Les temps sont durs, excusez-moi! Y'a que moi qui va voir ça, c'est incroyable! Non, t'inquiète! Au revoir, ma vie, mon cul, les gars, mais pas les couilles! Je suis honnête, hein. Si Zemmour passe, j'essaierai de partir de la France, hein. Honnêtement. Tu veux pas partir avec moi, peut-être? Bah, venez en Belgique, meilleur pays, on a Damso, les gars. C'est vrai. Vous avez Damso. Angèle aussi. On va voir ma question. Mais c'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que on vous avez. On a Renaud Elvis. Ouais, mais enfin, il a fait des attouchements, quoi. Enfin, bon. Merci de faire, les gars. Applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. On m'accuse d'attouchement aussi, pourtant j'ai rien fait. Attends, je vais les muter, eux. Applaudissements dans le chat. Oh putain, c'est ouf. Je vais péter la chaise, ça se trouve. Les gars, s'il vous plaît, applaudissements pour Tuffer, qui est revenu comme un prince, comme d'hab. Les gars, à chaque fois, il régale. Et je reviendrai. Je reviendrai sur Teach tout cassé. Tiens, mon nouveau Discord. Mais après, je te... Attends. Ah, c'est ton logo, ok. Enfin, c'est ton nouveau.
Putain, c'est ouf. Bon, bah là, je vais dire. Ça, on va terminer les travaux, hein. Rapidement, hein, je crois, hein, les gars. Hein. Oh putain. Ah, ça fait plaisir. Oh, je vais te mettre une steak. 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 3, 2, 1, les gars, dans le chat. Skina! Ce qu'il faut qu'il y ait quoi, les gars, dans le chat? Ce qu'il faut qu'il y ait quoi? Ce qu'il faut qu'il y ait quoi? J'ai pété la chaise, là elle va m'en vouloir, mais on a qu'une vie les gars, ça se trouve. Il est... Vous êtes prêts ou pas? Et on en fera d'autres, encore une fois les gars, dans le studio, on pétera des planches, du carrelage, tout ce qu'il faut, on mettra des pétards en direct, on foutra le feu, on boulera des pneus, ça va être énorme, ça va être énorme. Je sais pas combien ça coûte, je sais pas. Je sais pas. N'oubliez pas, elle avait une fête qu'on a comme du velours. Et à ciao, bon dimanche. Comment ça je balance pas mon cul comme il faut? Ah, ça glisse. Je suis pas assez grosse pour ça. Non mais ça, je vais y arriver quand même. Je vais y arriver. J'ai pas assez de pente aussi, les gars. Les pieds secs. Vous voulez voir des pieds secs? Putain, mais c'est ouf, ça. Ça glisse trop. Attends. Je sais ce que je vais faire. Oh, putain. Je crois que j'ai... Je vais le faire avec ça. Moi je l'ai. Putain, je crois que je l'ai. Merde. Merde. Je m'en veux un peu, j'avoue, je m'en veux un peu. Faut que tu reprennes du poids un peu plus de poids, ouais. J'ai peur qu'on voit ma quéquette, en fait. Parce que... Putain, c'est pas bon pour les cascades. J'ai pas de poids qui bascule à l'arrière. Ah, c'est comme ça. Les gars, solide la chaise, hein. Celle-là la tenue les mecs, hein. Non ça va les gars, tranquille. Ah oui merde, c'est vrai qu'on est plus sur Twitch, balèque. On peut simuler.
Et un rat à bouler. Il y a même 25 heures qui a regardé ça, il était là en train de faire clap clap. Oh putain. C'est bon ça. Bon, tu veux lui faire quoi? Tu veux venir troll avec moi ou pas sur un troll Discord? À l'ancienne. Est-ce que t'es dispo là? Sur quoi je pourrais l'emmener les gars? Le Discord de la radio? Je suis sûr qu'ils le connaissent tous en plus, ça peut être grave drôle. Ça peut faire un putain d'apnée. Non, on peut te faire des dispo ou pas? Attends. Je vais regarder si je peux l'ajouter sur mon main. Attendez un instant. Non mais te faire quand je dis vraiment que t'as raté des masterclass. Regarde la rediff et tape meilleur live de tous les temps. Hein. Tu vas te régaler, vraiment. J'ai montré ça à David, il était choqué. Hein. Ah putain, est-ce que je montre la face sombre du stream? Non, mais attends, je crois que je préfère lui montrer en DM. Je t'ai ajouté sur mon main. Hein. Mais moi j'ai plein de smurfs, gros. Attends. J'ai tellement de smurfs, je sais même pas comment faire. Ah, pour te parler, direct. Je sais même pas comment ça marche pour ajouter un mec. Attends. Mon smurf, c'est Atmosphere. Ami. Ajouter un ami. Tuffers. Montre les bails bressons de la Youse TV. Non, les gars, putain. Vous êtes sérieux? Il va pas être prêt, les mecs. Il va avoir... Il va dire, bah non, mais tu sais quoi, bah reste sur YouTube parce que ça sur Twitch ça passera jamais. il va limite m'encourager quoi. Je t'ai ajouté sur mon smurf Atmosphere, hein. Coucou, ouais, c'est bon. Tu veux qu'on aille où? Démarrage. Shut the fuck up! Oh, désolé, j'avais une rage, j'entendais pas. Tu m'entends bien? Ouais, ça va, et toi? Oh, putain. Ouais, merci, bien, gros. Les belles émotions, les bons souvenirs, les images. Alors, il me demande de te montrer, mais je vais pas lui montrer comme ça, les mecs. Il y a des images, on peut pas les diffuser comme ça, les gars. Moi, je regarderai plus tard, tu m'en veux. Ouais, je t'enverrai. Je te montrerai le timer et je te dirai quelle vidéo DC. Vas-y. J'ai la bouffe qui arrive, le baron, dans genre 2 minutes. Ah, merde. Bon, vas-y, en tout cas, merci. Faites un coucou à Teuf, les gars, il va devoir décrocher. Tranquille, je vais rester là. Faut juste que je me déplace chercher ma bouffe, quoi. Ok. Mais tu veux faire un truc avec moi ou pas? Sur un truc Discord, n'importe quoi. Bah, vas-y, si tu veux. Vas-y, on fait ça. Hein. Comme tu le sens, vas-y, je vais essayer de chercher un Discord, là. Et il était pas mal, celui-là. Mais on peut en trouver un autre. Putain, j'avais presque ma carrière de The Carry qui pouvait commencer là. Ah oui, merde, attends, j'avoue, je l'ai délaissé. Attends, tu veux? Attends, il faut que j'insiste. J'avoue, j'ai même pas insisté. C'est con, quoi, elle m'a ajouté sur Insta. Ah, vraiment, elle l'a fait en plus? Ouais. Et alors, elle fait full pige ou parce que t'as des meufs? Ouais, elle est en privé. Ah. Ouais, bon, t'aventures pas dans des. Allez, bon, voilà. Non, je vais éviter de son ouais. The Carry. Après, il a eu une bonne carrière, The Carry, donc je me dis pourquoi pas s'inspirer. J'avoue, ouais, ça peut être un projet de vie ouais, à la Zekiri. 25, ouais. Tu mets du patchouli. Vas-y, je vais trouver un. Bah, tu me dis quand t'es dispo? Bah, là, dans. Je sais pas, j'attends que mon livreur arrive. Bah, vas-y, attends, allez, go sur un Discord. Ah, bah, tiens, il vient de sonner. Ok, j'arrive. Vas-y, à toutes. In the sauce. Non, les gars, vous en faites pas. Bon. Et à la limite, c'est quoi le problème, les gars? Le gap, il est pas si important que ça. Teufur, il a quoi? 25 ans, 26? C'est quoi, 6-7 ans de différence, grand max? Ça va, on est bon. Les mecs, arrêtez de diaboliser tout ce qu'il faut, là. Les mecs, ça va, hein, c'est les mêmes délires, voilà. C'est pareil. Les gars, dans le chat, vous parlez, les mecs, alors qu'il y en a qui, parmi vous qui ont 20 ans, 19 ans, ils sortent avec des filles de 17-16 ans. Fermez-la. Donc voilà, quoi. Il y a rien... Ouais, correctement, FR, ouais, sinon tu pourrais... On te voit plus, sinon. Je te connais, tu mets que du sucre à tes yeux, on dirait moi sous coke. Ok, bah j'espère bien, Gribouille. Je te fais confiance. J'aime bien les reverse chaises, mais par contre, Laure, je sais pas si elle va me tuer pour la chaise, parce que je l'ai pété, en fait. Elle est fendue, il y a un des pieds qui est fendu. Le bois est fendu. Donc, que faire? Que faire? Alors, je réfléchis, les mecs.
Est-ce qu'on ferait pas un contenu low avec Teuf? Le problème, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas côte à côte, quoi. Il faudrait vraiment qu'un de ces quatre, on fasse un live ensemble dessus. Je suis toujours plus sauf, vous me conseillez le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Quoi? Grégou, c'était sérieux quand tu dis ça? Dis-lui que t'as grossi, que la chaise s'est pétée sous le poids, ça passe. Ouais, je sais pas. Non, mais moi, je pense que je lui dis la vérité. Hein. Laure, t'inquiète, on encaisse Axe. Te faire est passer par là. T'inquiète pas, tout s'occupe de tout. Ouais, heureux. Bon, vas-y, dis-moi. Vas-y. Alors, on va aller sur un Discord, là, il y a un peu de gens. Je vais en chercher un, là, et go dessus. Tu vas avec ton Smurf ou t'as qu'un seul compte? J'ai pas de Smurf, déjà, je me suis fait ban mon compte normal, mode base. Attends, comment tu t'es fait ban ton compte Discord? C'est possible? Ouais, je me suis fait ban parce que j'avais le plus gros Discord de casino en ligne. Et ouais. Ils ont pas trop aimé. Je me suis fait ban. Ah ouais? Ils peuvent ban pour ça, ouais. Discord? Ouais, ils m'ont ban mon compte, ils m'ont ban mon Discord, ils m'ont tout ban. Alors que de base, il y a aucun truc qui suit plus que ça interdit, mais bon, je me suis fait ban, impossible de faire une requête. D'accord. Oh, bon. Vas-y, je vais sur ce Discord là, attends, tu me dis si t'arrives à venir. Attends. Bah, faut que tu m'envoies le lien, non? Ouais, par contre, à ce temps-là, il va y avoir un peu des piges, mais bon. Ça peut être sympa de débarquer. Lien, ouais, attends, tac. Moi, c'est Atmosphere. Attends, je suis mort le nom. Oh non. Tu connais ce Discord? Non, je connais pas, je connais pas. Attends, bah j'y vais. Attends. J'y rejoins. Salut. Ah merde, ils font du rap. Mais pourquoi il baisait? Ouais, désolé, t'es en freestyle ou c'est une bande audio qu'on entend, les gars, pour qu'on puisse entendre? C'est un freestyle de Bendé, c'est un freestyle de Bendé. Ah ouais, d'accord, ok. T'as vu comment il est chaud? Ouais, je vois ça, Simba, ouais. Comme toi, t'es chaud. Attends, il y a Malboge, elle va aller chaud pour faire un... Ah mais pourquoi t'as mis Bendo? Voilà, t'as besoin d'aider, moi je remets Bendé quand même. Tu veux faire un freestyle ou pas, Maldoge? Malboge? Non. Moi je peux en faire un. Moi je fais pas freestyle, moi. Maldoge. Quoi? Ça va bien. Ta gueule, t'es qui toi? C'est Brian, guignol. T'as la petite dernière, c'est Brian. T'es con, quoi. Non, je vais sur un autre. Rejoins. Tant qu'on soit sur Discord, t'as pas de job, t'as pas de meuf, t'es une merde, voilà. T'as pas le permis, t'es une pute. Et tu vois, Naïm, tu parles trop mal, frère. Oh, lui, on va le terminer. Bon. Tu parles pas nature. Bah, tu parles à qui, en fait, gros? Tu parles à qui, en fait, gros? En fait, j'ai des pulsions. Mais ferme-la, toi. Ferme-la. Comment ça, ferme-la, ferme ta gueule, gros. J'arrive sur le Discord, tu parles mal à une demoiselle. C'est comme ça que tu parles à ta mère. Voilà, bah parle comme ça à ta mère. Salut, je suis ta mère, Naïm. Comment tu me parles? Ferme-la, ferme-la, je suis ta maman. Je te baisse ta mère devant tout le monde. Je te baisse ta mère devant tout le monde. Ça me met à faire ta gueule, ça me bat les couilles. Ça me met à faire ta gueule. Mec, parle à moi si jamais. Des gênants, T'es nul en clash parce que si tu me laisses pas répondre, c'est fini. Enfin, y'a rien. Moi aussi, je peux le faire. Allez, je t'ai battu. Mais il est gênant le groupe. Il est gênant le groupe. Et comment tu sais qu'il est gros? Parce que. Tu sais que je suis gros. Lui, j'ai son dox. J'ai son dox à lui. Ah ouais? Atmosphère. Ah ouais, je ressemble à quoi alors? IRL. T'as une barbe? Ouais. Tu fais le barbeau IRL, tu fais le kéké. Ouais. T'as quel âge déjà? Attends, je vois. Vas-y. Mais l'âge précis, hein, comme ça, on sera impressionné. 27 ans. Bah non. Non, je rigole, t'as 34 ans. T'es une merde. Tu sais que t'es une merde. Non, vraiment, attends, je peux te dire un truc. Non, je peux te dire par contre que t'as plus de 30 ans. Par contre, tu peux me dire pourquoi t'as plus de 30 ans, t'es encore sur le Discord. Juste dis-moi pourquoi. Parce que je suis intéressé par les jeunes demoiselles, pourquoi? Comme toi, non? T'es un pédophile. Ça n'a rien à voir avec de la pédophilie, mec. J'ai 13 ans, j'ai 13 ans. Mais tes parents, ta mère, elle avait quel âge quand elle a connu ton père? Ah. Ma mère, quand elle avait quel âge? Elle avait 16 ans. Ah voilà. Bah, c'est pareil. Mais t'es pas tout jeune, hein, tu sais que t'es vieux. Hein. C'est pareil, bah c'est pareil, arrête de juger les gens, quoi. Mais t'as 30 ans, fils de pute. Et alors? Mais c'est quoi le problème? Mais pourquoi ans, t'es jaloux? T'as pas de job, t'es au chômage. Et toi, t'as quel âge, toi? T'as pas de demoiselle? Moi, j'ai 13 ans, je te l'ai déjà dit. Moi, j'ai un annuaire tout non, en non, fait, t'as pas 13 ans. Bien sûr que si, j'ai 13 ans, ça a le pute que t'es, ferme-la. Ah, ok, d'accord, ça a le pute que t'es. Ouais, quoi d'autre encore? Je vais t'expliquer un truc. Je suis un mec, je suis sur-développé, c'est-à-dire que là, mon avenir, il est déjà tracé. J'ai une élocution incroyable, parce qu'en fait, je vais devenir orthophoniste spécialisé dans les enfants. Je vais laisser ces conneries parler. Tu veux que je t'explique le projet ou pas? On s'en bat les couilles. On s'en fout, mais vas-y, ça peut peut-être nous divertir. Pourquoi tu voles des pseudos, toi, te faire? Pourquoi tu voles les pseudos? Je vole le pseudo de qui? De te faire, du coup. Mais t'es con, quoi, c'est moi.
Je te baisse ta mère, gros porc de millionnaire de merde. Je te baisse ta mère. J'encule les négros. Pourquoi t'as la haine comme ça, gros? Oui, j'ai rien de plus. Il t'a fait quelque chose ou quoi? Il t'a baisé ta mère? Gros porc de merde. Gros porc de merde. Attends, mais c'est le vrai ou pas pour de vrai? Bah oui, c'est le vrai. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais attends, attends, te faire. Non, attends, vraiment, le poids que tu fais. Non, mais attends, là, il va se mettre à sucer, tu vois, ça va être drôle. Non, vraiment, non, je lui paie ça. Merci. Te faire, regarde. C'est incroyable, Non, mais regarde, parce que là, vraiment, tu fais plus de 250 kilos. Pourquoi tu traînes sur ce serveur? Pourquoi tu fais ça? Alors, en réalité, là, je sais pas ce que je fais là en vrai. Là. Ouais, c'est pas vraiment. Il a vu la lumière, il est venu. Mais c'est moi, frère. Regarde, clique sur mon profil, regarde, c'est moi, frère. Regarde, c'est connecté à mon Twitch, à mon Twitter. Attends, je vais voir. Oui, on sait qu'il vit, c'est encore ce baron. Ah la pute, c'est vraiment te faire. Je te baisse ta mère, te faire sale fils de pute. On a compris, ouais, il a fait du mal à ta daronne. Non, regarde, c'est record, je vais t'afficher sur YouTube. Bah vas-y, fais-le. J'encule Twitch, fils de pute, ferme-la. Je vais t'afficher. Mais comment on peut être comme ça? Il est con, lui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, gros, pour être comme ça? Je comprends pas ce qui vient de se passer. J'espère que tu joues un rôle, hein. Mais attends, qu'est-ce que tu fais sur. Non, mais vraiment, t'es millionnaire. T'es millionnaire, qu'est-ce que tu fais ici? Mais alors, il se fait plaisir. C'est une image que j'ai. En vrai, j'ai pas d'argent. Ta gueule, fils de pute. Non mais wesh, pourquoi? Mais la tête de merde, je me demande vraiment pourquoi d'un coup. Parce que j'ai le seum contre toi. J'ai le seum. Quand tu fais tes packs opening, etc. De booster Pokémon, tu fais exprès pour qu'on voit ta montre, fils de pute. T'as pas cramé, sale merde. Sale merde de riche. C'était la montre la moins chère que j'ai. Je te baisse. Je te baisse, gros porc. Gros porc. Et toi, t'as fait quoi, Naïm, au-delà de ça, parce que je sais que tu veux passer ton temps à insulter, parce qu'il faut qu'on avance. Au-delà de ça, mais pourquoi tu lui en veux comme ça, comme gratos en fait, c'est tout. Mais toi, t'as fait quoi dans ta vie, toi? Moi, je suis un mec. J'ai 13 ans, je te l'ai déjà dit. Voilà. Voilà. Donc, si t'as 13 ans, mec, t'as que 13 ans. Juste ferme ta gueule et en fait, vite ta vie de fiche de 13 ans. En fait. Mon équipe, on va vous baiser. Non, parce que. Non, mais tu vas rien faire. De faire le gros porc, il fait le show. De faire le gros porc, il fait le show. De faire le gros porc. Je n'ai même pas parlé. Gros porc. Ça en dit long, sur ta faiblesse, mec. Il t'a même pas mal parlé. L'ancien Tuffer, mais il t'a même pas. Il t'a parlé normal et toi, tu es comme ça, t'es agressif. Ça veut dire qu'il t'a fait quelque chose du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi. J'ai envie de connaître ton souci, en fait. Avec ta petite équipe de mecs de 13 ans, tu vas rien faire en fait. J'avoue, ça peut être une utilité sociale, ouais, une expérience. Ouais, pour savoir un peu ce qu'il a. J'ai 13 ans, je vais te dire un truc. J'ai 13 ans, je suis un mec, j'ai 13 ans. Oh, Arcane, on va le baiser. C'est te faire le gros porc. On va le baiser. Je ramène mais tu vas rien faire. Attends, redescends, gros, t'es sur Discord. Je vais vous baiser. T'es sur Discord, gros. T'es sur Discord. Naïm, réponds privé. Mais t'es sur Discord, Naïm. Et mets ta cam si t'as des couilles, on va voir si t'as des couilles parce que c'est bien mode de. Oui, je suis homosexuel, oui, je kiffe les hommes, voilà. Et alors, fils de. On s'en fout, c'est que si tu kiffes les hommes, c'est ton problème. T'es en live Twitch, j'espère. Ouais, moi je suis en live Twitch, ouais. Moi je suis en live Twitch, moi. Oh putain, dommage, attends. Moi je suis en live Twitch, tu vas faire quoi? J'encule les négros, fils de pute. Ouais, vas-y, bah. Oh là là. Mais je sais que tu le penses au fond, Tuffer. Je sais que tu le penses au fond, Tuffer. Ah non, c'est non, non. C'est raciste. Je sais que t'es raciste, frère. Je veux pas le dire devant ton live Twitch ou quoi, mais je sais que. Je suis pas en live, hein. Je suis vraiment tout seul chez moi, gros. Et attends, mais t'es à Malte? Ouais, sûrement. Il est dans l'avion. Je suis dans l'avion, là. Il est dans l'avion, là. Il a payé internet. Là, je suis en train de record, je vais t'afficher sur YouTube. Mais vas-y, fais-le. Parce qu'on s'en fout en fait. Parce que le gros porc il fait mais le malin. Tu sais que tu t'affiches depuis tout à l'heure, on rigole de toi. Attends, hein. Vraiment, je vais te poser une question, une vraie question. Parce que tu vois, je comprends. Parce que Atmosphere, c'est un mec, c'est un chômeur. Il a pas d'argent, c'est une pute. Ouais, j'ai pas d'argent. Permis, ouais. Il a pas de femme, c'est une pute. Non. Voilà, c'est ouais, vas-y, bah, t'as tout trouvé en plus. Bien joué. C'est une pute, voilà, exactement. Mais toi, je comprends pas. T'es millionnaire, qu'est-ce que tu fais sur ce serveur? Je suis Atmosphere, c'est mon petit. Vous savez, c'est moi qui lui montre un peu les Discord un peu pourris là où on peut trouver des mecs comme toi en fait. Je te jure que c'est lui vraiment qui m'a mené là, il m'a dit viens voir, ça va être marrant. Ouais, voilà. Bon, par contre, change quand même de disque au bout d'un moment, Naïm, parce qu'à chaque fois t'insultes, après, il faut qu'à un moment tu sois un petit peu plus inspiré. En vrai, Naïm, il est pas SDF, hein. En vrai, ouais, il a l'air d'avoir une bonne qualité de micro quand même. Merci. Tu parles pour rien, Tuffer. Désolé, j'aime pas les gros porcs. J'aime pas les gros porcs qui font les malades, etc. Mais t'as que ça à la bouche, t'es un bouffon, mais mec, t'as que ça à la bouche, tu sais pas te défendre ou quoi? T'as que ça? Si, mais tu défends mais pas, t'insultes. Mais t'insultes, mais on s'en fout, on s'en bat les couilles, t'insultes. On est sur internet, on est sur Discord. Je suis en train de m'énerver là. Bah voilà, bah énerve-toi tout seul. Vous êtes en live? Ouais, on est en live. On est en direct. Moi je suis en live. Oui, ils sont en live. Et moi je suis pas en live, frère.
Je peux envoyer ton live, mec. Non, par contre, il faudrait peut-être qu'on change, parce que s'il a toujours le même disque, Naïs, ça a l'air d'être un bouffon du net qui est sur Discord, il veut se battre. Non, mais pour de vrai, vous voulez taper un non, mais gros, sérieusement ou pas? Naïs, on s'en fout de toi, mais c'est juste qu'en gros, tu nous fais. Tu nous ennuies maintenant. Déjà, bonjour. Et en deuxièmement, j'aimerais savoir. User, je sais que c'est difficile à croire, hein, mais il y a le gros port de Twitter dans le local. On s'en fout, user, t'as rien à dire. Et alors, il y a quoi? Moi, je me dis, je viens là. Mais il va pas te donner Nitro, je te jure, il va pas te donner Nitro. Mais ta gueule, je viens pas là pour vous. Je te jure, il va pas te donner Nitro. Bon, non, décroche, vous nous faites déjà chier, on va aller dans d'autres channels. Ta gueule, s'il te plaît, écoute-moi. Viens, arrête de sucer comme ça. Non, il n'y a pas de pécho. Ouais, salut, sorcière, j'ai un souci avec un gars en bas là. Je peux pas le parler, c'est Naïm. Il a un souci, vraiment. Oui, il a vraiment non, un souci. Non, mais je sais, il bug avec lui-même depuis tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Non, mais je sais pas, il dit de la merde. Ouais, il dit de la merde. Attends, j'y retourne. J'y retourne. T'es qui ici, sale merde, va. T'es là, tu commences à m'accoster dans le vocal, tu me tasses le paiement, tu les tasses. T'es un ami, on est ami. Est-ce qu'on est ami, même? Pourquoi tu me tagues vocalement, sale salope? On n'est pas ami, ferme ta gueule, s'il te plaît. Mais vraiment, tu utilises des expressions de noir. Est-ce qu'on est ami, même? Ferme-la, parce que c'est toi, sale. Moi, en fait, moi, je suis. Je me dis. Même si à lui, tu veux troll, au bout d'un moment, il faut que tu changes. Je t'extermine vocalement, sale salope. Je suis venu là, je pose des questions, bref, de faire. Est-ce que tu connais des développeurs web? Attends, je suis pas de faire ça actuellement, personne ne peut me répondre en fait. Ouais, vas-y. Attends, deux secondes. En fait, je vous explique là. Tu arrives dans le vocal pour chercher un développeur web, ça commence à m'accoster là bizarrement. Du coup, je demande. Le noir, il casse les couilles. Attends, deux secondes, Vogel, deux secondes. User. Jack, commence pas à dire à côté, je sais pas quoi, de 1 et de 2, commence même pas à essayer de sucer. Salut, Seth, t'es l'admin, tu peux bannir l'autre con là? Attends, là, Gab, c'est mon pote. Ah, ok, d'accord, bon, ça va. Arrête de parler deux secondes. Je vais te démute, user, tu vas me laisser parler. Oh, le serveur de l'enfer. Bon, nous on est. Là, je te démute, laisse-moi parler. SSJ, je t'explique, j'arrive dans le vocal, cherche un développeur web pour mon truc. Ouais, mais règle voice meter avant, règle voice meter avant, frérot. Le prochain qui parle, je le mute. SSJ, il a mis voice meter. Jazz et tout, parce qu'il me fait l'aveugle en privé, t'as vu, c'est bien, il fait le mec qui défend, t'as vu, c'est bien, tu vois. Bah, c'est nul, vas-y, je décroche, je vais descendre sur un autre. Il arrête de dire ouais, il a appris toi à défaut, t'as vu, parce que c'est un menteur. Tu vois, j'attrape. Là. On tourne en rond et ça parle, on peut même pas parler en placé une, c'est nul. C'est ce que j'aime pas justement, avoir quelqu'un qui est là quand je suis triste. Ça, attends, je vais lui dire. Moi j'aime. Je vais lui en trouver un autre de Discord. Quand t'as pas ta famille en tout cas. Attendez, j'en trouve un autre. Ouais, je le garde en réserve, les gars, vous en faites pas qu'il va prendre un raid du celui-là. Ou alors. Attends, je demande à Teuf si vous voulez qu'on le raid. Ma mère aussi. Pourquoi? Tous mes cousins sont morts. Non, parce que c'est. Mon père il est très vieux, ma mère elle est. Il y a des problèmes mentaux. Attends, je vais voir juste pour le raid, les mecs, à l'ancienne. Tous mes cousins sont morts. Ah non, c'est là. Et ouais, je vais faire comme ça. Le projet, et le présenter pour, bah, pour mon le formateur, du coup. Suce le roi des gros. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire sucer quelqu'un? En fait, t'as l'air bizarre, Naïm. Suce le gros porc. Mais Naïm, il est bizarre. Il a le vocal, il commence à me taguer en mode... Suce le roi des gros porcs. Il y a le gros teufur dans le vocal, mais va niquer ta mère, on n'est pas amis, je te connais pas, salope. Je même pas toi. Non, je vais muter juste, mais il est chiant le gars, je vais pas parler. Enfin bref, on a eu, je t'ai vu en photo de ma mère, t'as un fond tellement gros live de ma mère, on peut pas dire gros frère. Ferme ta gueule s'il te plaît, Naïm. Oh, je m'en bats les couilles, j'ai bugué parce que je suis fatigué, va niquer ta mère s'il te plaît. Allez go, channel 16, vocal 16 les mecs. Je peux faire des bitcoins avec cette salope, va. Sale pute, sale merde. Va niquer ta mère s'il te plaît, bref, vas-y, bonne nuit. Mais pourquoi il s'est barré? Bon, on a... Il y a trop de comptes là, c'est quoi ça? Oh, putain, il a ramené les tokens, C'est gênant, ça par contre. Les mecs, les gens qui ramènent des faux comptes là. Pourquoi il a ramené les tokens? Attends, il se passe quoi là? Putain, je suis choqué, il y a grave du monde là. Les streamers, je vous explique, en fait, c'est pas du vrai compte, c'est des tokens. Oh, Warline, c'est des tokens. C'est qui l'a ramené ça? L'arabe là. Eh, c'est des tokens les gars, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel ou quoi ici là? Tu sais que c'est gênant. C'est qui qui a reçu de la gueule? Trop de c'est Botface la pute, il a quitté. Il y a trop de monde. Ouais, 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 enfin, je vous montre le Discord. Enculé, nique ta mère, Regardez. Je t'en comment tu prends la tête. Attends, arrête de parler, ta gueule, Ronda. Enculé, je hais l'islam. C'est quoi, c'est pas des faux comptes? Là.
à l'arabe de merde, sale maghrébin, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, espèce de fils de pute. Ferme ta gueule, espèce de fils de pute. Encule ta mère, encule ta mère, c'est gênant. Il va être immigré, il va être immigré, gros salope. T'es gênant, t'es gênant, t'es une merde, t'es une pute. Laisse-nous, s'il te plaît, juste te demande de me laisser avec toi. Vas-y là. Vas-y, on décroche. Vas-y, on décroche. Bon, je vais pas l'emmener sur la radio, les mecs. C'est le bordel, direct. C'est un stand bordel. Ah oh, putain. Ah putain, j'adore. Bon, je suis allé sur un Discord. Attends, il faut que je trouve un Discord. Un autre Discord. Ils sont bizarres, hein. Ouais, bah c'était un Discord random. Bienvenue. Mais attends, mais j'ai même pas parlé, mais je me suis fait insulter toute ma mère. J'avoue, oui, putain, c'est bizarre à l'époque. En plus, c'était toi qui démarrais. Ouais, mais là, mais t'as bien changé. Non, mais t'as bien fait. J'ai vieilli. Non, mais en bon, c'est bien. J'ai été mieux de dire. Ouais, dommage, les gars, j'ai pas pu entendre des Formule 1. Ouais, dommage, à l'ancienne. Je voulais montrer un joli raid. Mais il faut trouver un Discord là où ils méritent vraiment un putain de raid. Et ils se prennent des Formule 1 à l'ancienne en frontal. Parce que là, ils sont chauds pour aller raid. Hein. J'ai envie de trouver un autre Discord. Il faut comment je pense, il y a 2 ans ici, j'arrive ici, je lui ai insulté toute sa mère. Ouais, toute sa famille. Je sais, je me rappelle. Bon, j'ai encore les rediffs, ouais. Où il est arrivé, s'est insulté pendant des heures. Le pire, c'est toi que tu restes. Moi, ouais, chaque fois, je disais, ouais, on décroche. Et je crois que tu restais encore pour insulter la meuf. Tu restais, toi, t'arrêtais pas. Ah putain. Bien sûr. Ah là, l'ancienne. Bon, avant que tu partes, qu'on te laisse manger, est-ce que tu veux pas entendre un vrai raid avec full Formula 1 à l'ancienne, pour te faire kiffer. Bah vas-y, on va apprendre sur un truc. Et ouais, on va aller sur un autre Discord. Je vais voir si c'est le mérite. Ouais, pour voir si c'est le mérite, les mecs, on va parler normal, tranquille, les gars. Et dès qu'on voit dans le chat, on se concerte, les mecs, ils méritent. Vous débarquez, vous me sortez vos meilleurs bins Formula 1, Régis ou Latina, n'importe quoi. Et on termine tout ça. Comme ça, moi, je peux enchaîner derrière. Vas-y, il faut que je trouve un bête de Discord. J'ai pas quelque chose qui traîne là. Un truc, là, il y a du monde. Attends, je vais peut-être trouver ça. Oh merde, attends, j'ai oublié que j'avais un truc à faire. Ok, c'est bon. Un bon Discord, la vie mérite. Putain, c'est dur à trouver. Tu me plais, là. Mais je sais que ça vous plaît, ça, les gars. 1000 balles, Maxime. Alors. On va trouver ça. Est-ce qu'on peut avoir un Discord? J'aime bien aussi les Discords, là, les Discord RP, les mecs. Chouf DM, je t'envoie un. Ok, attends. Ouais, mais m'envoie pas un type que tu connais déjà. Attends, il m'en envoie un. Moi, je connais rien, moi. Je vais sur aucun Discord. Gros. Attends, j'en ai un. Tu en le rejoins. T'es où? Hop. Vas-y, moi, je le rejoins, celui-là. Vas-y. Ah, t'as vu, tu peux mettre ce que tu es. Homo, trans, non-binaire, gender fluid. Ouais, t'as pas vu dès que t'arrives sur le serveur. C'est quoi ce truc? Moi, je mets bi. Non, j'ai pas. Si, faites votre choix. Dans les rôles. T'as vu tout ce qu'il y a en détail? Ah, dans les rôles, fais voir. Ah ouais, rôle. Oh oui, c'est quoi tout ce bordel? T'as vu? Il y a trop de trucs, hein. Tu peux dire de quelle qualité. Introverti, extraverti, couche-tard. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Moi, je mets rien, non, on s'en branle. Ah, par contre, dans le channel, les channels, j'ai l'impression qu'ils sont privés. Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, je vais essayer de rentrer sur un channel déjà. Salut. Le globe atmosphère. Salut. Salut. Ouais, oula, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Oula. Salut aux deux personnes qui viennent. Salut. Ouais, je vous cache pas, c'est une des premières fois que je viens ici. En général, ça parle de quoi? C'est juste un truc, on écoute une radio ensemble et... N'importe quoi, de nos vies, on fait les présentations. Ok. En chantier, je m'appelle Deux. Comment? En et chantier, voiture, je m'appelle Deux. Et ma Mercedes. Et ça, c'est Vibro, ma sœur. Putain, j'ai rien à faire, bâtard. Il y a le modo, teuf. Oh, c'est fun, le Discord. T'as vu ça? Ouais. On est plein de blagues pas drôles. D'accord, ouais, ok. Et vous regardez un live, c'est ça? C'est celui de Jibri, c'est ça? Ouais, non, mais ça, ouais. C'est... Et je viens de décider depuis longtemps. Ok, bah après... Putain, tu joues au camion, ça me rappelle mon métier d'avant, ouais. Quoi, tu te dis sur les camions, toi? Bah non, j'étais juste chauffeur routier, quoi. Oui, il regarde. J'avoue, il est sur Cyber... C'est quoi, ça? Bah, poteau, tu connaîtras pas, je pense, hein. Cluster Truck, ça s'appelle, les mecs. Montaville.
Ah non, je... Ah, quoique. Ça me dit un truc. Bah, mon père, il est routier aussi. Il est chez Altead. Chez qui? Altead. En bas, il y a de la cam. Pas, c'est un truc spécifique, je sais pas. Ouais, c'est tout ce qui est convoi exceptionnel et tout. Ah ouais, c'est pour ça, moi je faisais. Par contre, qui a un micro de merde comme ça là? Ouais, c'est horrible ça. Hein. Non, je descends ah, en bas, Taf, tu veux venir. Il y a de la cam. Soirée, les gars. Si vous voulez, on peut changer. Hein. Ah non, c'est très bien. D'accord, ok. Salut, désolé de vous déranger, on prend la discussion en cours. On doit se présenter ou pas rapidement ou... Bah, je peux me présenter. Moi, je travaille dans un collège. Enfin, je suis surveillant. Et des fois, j'ai un peu de temps libre. J'aime bien traîner. Je fais un peu de gaming. Et voilà comment je passe un peu mon temps. Et c'est cool de discuter, tu vois, avec des gens que je connais pas spécialement et que j'apprends à les connaître. Et des fois, voilà. En tout cas, merci pour l'accueil. Bah, yes. Bah, du coup, enchanté. Comment tu vas ? Moi, de mon côté, je vais bien. À part l'année prochaine, en fait, ils vont faire une espèce de réforme là, dans les collèges. Enfin, l'éducation nationale. Et tout ce qui est permanence, on va devoir tous les taper, en gros, dans la totalité, comme on le faisait déjà, mais là, on aura beaucoup plus d'élèves. Et ça, ils prennent pas ça en compte, et on devrait être un peu mieux payés, et puis voilà, on va certainement manifester. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Psycho ? Moi, je suis apprenti fleuriste. Wow, joli métier. Merci. Il faut une formation pour faire ça, ou c'est un truc, quelque chose de passionné ? Allez, tout. Alors, ouais. Ouais, bon, il faut une formation. Après, moi, je sais pas comment ma patronne, elle a fait, parce qu'elle a appris sur le tas, et je pense qu'elle a fait une formation d'un ou deux ans, peut-être. Moi, personnellement, au départ, tu fais un CAP fleuriste en deux ans, et une fois que tu as ton CAP fleuriste, tu... Elle est trop gentille. Tu peux soit te démerder avec ton CAP, soit faire comme je fais moi, c'est-à-dire faire un level au-dessus, donc c'est-à-dire partir sur un brevet professionnel en fleuristerie, yes. qui dure aussi deux ans. Du coup, là, j'ai recommencé ma première année parce que c'était un peu la galère avec là où j'étais avant. Du coup, parce que j'étais restée que deux mois dans l'ancienne entreprise où j'étais avant, parce que ça ne me correspondait pas du tout, et puis ils ont eu marre, et du coup, ils ne m'ont pas gardée parce que... je rentrais pas dans leurs critères. Et aussi, bah, du coup, je m'adaptais pas rapidement. Parce que c'était un peu un travail à la chaîne qui me plaisait pas. J'avais aucun plaisir et aucune créativité dans ce que je faisais. Du coup, depuis octobre de l'année dernière, je cherchais. Yes. J'étais encore dans la formation, sauf que... fin avril, je devais quitter la formation parce qu'ils ne pouvaient plus m'assurer. Du coup, mai de l'année dernière, j'ai trouvé une entreprise. L'année dernière, mois de mai, voilà, de cette année, pardon, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore passé Noël. Ouais, en fait, j'ai trouvé une entreprise qui voulait bien me prendre parce que bah, du coup, toutes celles que j'avais contactées avant, je les contactais plus d'une vingtaine. Je me suis déplacée. Ok. J'ai trouvé. J'ai rencontré la patronne, j'ai parlé avec elle. Elle m'a fait faire 2-3 bouquets pour voir un peu comment moi je manipulais la fleur. Donc ça lui allait. Du coup, j'ai fait la fête des mères avec elle. Je finissais jusqu'à 23h. De fou parce qu'on préparait des commandes pour le lendemain, enfin c'était un truc. Et du coup après j'ai parlé de l'apprentissage parce que ce serait con, tu vois, que j'arrête maintenant parce que j'étais lancée là dedans et du coup ouais, et du coup là depuis septembre je travaille, enfin, je suis toujours dans cette formation là, j'ai recommencé mon année et je travaille. D'accord, donc c'est un peu un truc en alternance, c'est ça? Ou c'est vraiment ton vrai taf maintenant? C'est bon, on va dire c'est plus alternance. On va dire, si tu veux, j'ai deux fois dans la semaine, deux jours dans la semaine où j'ai cours, mais le reste du temps je suis en entreprise. Ok. Ouais. C'est un peu un entre deux, ou bien? Bon, c'est de l'alternance, mais de quoi? Oui, c'est un peu entre les deux, entre ton vrai taf et puis l'alternance. Il a raison de te faire ça, manque de fleurs derrière. Attends. T'as pas de fleurs chez toi? J'ai pas de fleurs chez moi. Alors, j'en ai là-bas, mais il va falloir que je les jette. T'as pas une composition à toi qui traîne, juste pour qu'on puisse voir?
Non, mais au pire, j'ai mon Instagram. Sur mon Insta, je poste plein de mauvaise idée, conneries, faut pas mais qu'elle donne. je poste aussi ce que je fais. Ah, donc c'est des photos essentiellement de tes fleurs. Y a Pas un de peu de tout décomposition, ok. Sur mon Insta, il y a un peu de tout. Mon Insta, ça me représente très bien, c'est le bordel. Voilà, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Bah, un peu comme dans, je sais pas, c'est ton salon ou ta chambre, parce qu'on voit des meubles un peu disposés bizarrement. C'est mon salon. Ah, ok, désolé, excuse-moi, parce que j'avais pas bien voir. C'est pas grave. Bah, en fait, mon salon fait aussi salon salle à manger. Du coup, c'est va parler dans de la continuité. C'est-à-dire que la cuisine et le salon sont reliés. Enfin, ok. Je peux même montrer ma table. En fait, TDM, merci beaucoup. C'est normal. T'as une cuisine ouverte sur le salon? Merci. Ouais. C'est ouvert. Ok. Mais ça va, t'as de l'espace pour pouvoir. Du coup, tu fais régulièrement des lives ici ou t'as une chaîne Twitch, l'on peut te suivre ou un YouTube, non? Pas du tout. Ah bah tu devrais parce que t'as un très bon débit de parole en fait. Et tu expliques les choses, on sent que ouais, tu les vis quand tu les expliques. Ouais. C'est comme quand je dois te faire un résumé d'un film, j'ai du mal. J'ai du mal. Parce que je vis trop le truc. C'est chiant. Mais c'est vrai qu'en ouais, fait, ça peut être chiant aussi. J'ai trop détaillé les trucs. Non mais c'est bien, ça veut dire que t'as le souci des détails. Hein. Et quel est le dernier film que t'as vu dernièrement? Enfin, ton dernier film, ouais. Alors, il y a un film que j'ai... Ah, c'était Assassination. Ah, je connais pas. C'est un thriller sur Netflix. Il est bien ce film ou pas? C'était bien. Enfin, c'était bien. Ça, franchement, ça va. Mais je m'attendais pas à ça. J'avais pas lu le résumé avant de le voir. Je fais, on va regarder ça. Mais d'accord, et en série par exemple? En série, alors je t'avoue que moi je suis pas trop série, je suis plus branchée film, donc je m'y connais pas énormément. La dernière que j'ai regardée c'était Sweet Tooth sur Netflix. Sweet Tooth? Ouais. Je pense avoir vu ce film-là, mais sur une autre plateforme je pense. C'est une série, hein, c'est la. Voilà, c'est série Netflix. Et okay. après les deux dernières séries que j'ai regardées sur Netflix, c'est Elle a rien cramé. Et Le Jeu de la Dame. Le Jeu de la Dame, pareil, je l'ai vu sur un autre site. Très bon. Ouais, c'est excellent. Ouais, les acteurs jouent très très bien. Tu l'as fait sur quel site? Sur un site qui... c'est un site, je t'expliquerai. C'est, parce en que fait, moi je connais que sur Netflix le jeu de la dame. Mais c'est un site qui est en fait illégal, enfin pas légal, donc je peux pas le citer ici parce qu'on sait jamais. Ouais, mais je pense que tu peux te permettre de payer 10 balles quand même, non? Non? Bah. Tu télécharges quoi? Je télécharge sur. Oui, alors bah ça me regarde que moi, enfin j'ai un salaire d'un surveillant, hein, enfin je sais pas que tu gagnes combien dans ta vie, enfin. Bah moi j'ai le salaire d'un agriculteur, tu sais, donc bon. Merci TDM, c'est passé beaucoup. C'est pas bien fou non plus quoi. Non, voilà, donc voilà, ce sont du coup j'ai d'autres loisirs qui me prennent un peu de temps, je fais du modélisme. Au pire, moi, Atmosphère, ouais. Ça fait quand même 2-3 heures qu'on se connaît. Si tu veux, je te prête mes accès Netflix. Hein. Je te le fais aller à 2 euros, je pense, comme ça. Hein. C'est la première fois, mais attends, non, mais non, tu me trolls, tu me blagues, non. Parce qu'un gars comme ça sur internet que je connais, je rencontre à peine, qu'on s'est parlé tout à l'heure, on a échangé, ouais, c'est super cool. Ça fait quand même 2-3 heures, t'as l'air cool quand même. Vous savez qu'on sait de par quelle invitation vous avez joined, etc. Bah ouais, bah de la sienne, quoi. Non, pas de la sienne. Oh, moi, je suis de la sienne. T'as joined depuis celle de Gribouille. De qui? Gribouille. Je t'assure que j'ai joined par la sienne, moi. Il m'a donné un truc. Ouais, je l'ai donné. Ah, mais puis peut-être que comme vous avez joined la suite, ouais. Mais oui, mais on n'était pas sur ce Discord-là, en fait, précisément. On était sur un autre. Du coup, je t'assure que je connais pas Gribouille, mon pote. Comment ils peuvent voir ça, les modos? Ah, merde! Ah, il est... C'est qui Gribouille? L'ami des enfants? Ah, ils peuvent voir les modos. Pourquoi t'es administrateur? T'as toutes ces infos? Putain, c'est étonnant ce truc. C'est drôle. Oui. Vous avez joined tous les deux par Gribouille. Mais moi, je suis sûr que j'ai joined par son lien à lui, hein, pas le lien de quelqu'un d'autre. Oui, mais mon lien, il venait d'une autre personne. Mais après, je savais pas qu'il s'appelait Gribouille en son vrai compte. L'ami des enfants, vous connaissez? Ce que tu filmes, c'est pas des tubés, j'espère. Non. Ouf, ça me rassure.
Non, je suis pas du coup, Gribouille, vas-y, raconte un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un problème? Parce qu'on vient de sa part. On te fait. Non, je pas dit qu'il y avait de problème. L'identité de quelqu'un. Bah, frérot, je pense que c'est moi, Tuffer, non? Ouais, très certainement. Bah, quand tu cliques sur mon pseudo, t'as l'air de connecter en Discord quand même. Tu cliques sur mon pseudo, tu vois que je suis connecté à mon Twitter et mon Twitch, non? Je pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire. Bah, c'est pourquoi il est connu en fait, ce mec? Bon, un peu. T'as dit quoi? Psycho, tu connais un certain Tuffer ou pas? Non. T'es pas mon public recherché, Psycho, c'est pour ça. Ah ouais, effectivement. Tuffer, quand tu veux, tu fais gagner des concours sur Twitter. Hein. Vas-y. T'as dit quoi? Quand tu veux, tu fais gagner les concours sur Twitter. Bah, je pense que j'en fais gagner déjà beaucoup, non? T'as, vous en voulez toujours plus, hein. Je donne la main, on veut le bras, c'est incroyable ça. Comment les meufs, elles... Attends, mais c'est sérieux les meufs? Hein, vous parlez, enfin... Bah, elles parlent de moi du coup. Alors, ouais, en gros. Je sais pas. T'as jamais vu des vidéos en mode. Genre le mec qui pose des 30K. 30 non, non, moi je regarde pas ce genre de trucs. Non, t'as jamais vu ça? Non, non. Non, au blackjack, pardon. Ouais, pareil, enfin non. Je me trompe pas. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu au casino. un peu. un peu beaucoup. C'est vraiment son cool. J'aime bien le casino, c'est le poker, tu le sais. Putain, la demoiselle, elle a demandé direct. Ah. Vous voulez que je creuse un peu ou pas, la question, demoiselle? Attends, je suis reparti, là. Et Kimi, pourquoi ça t'est venu directement à l'esprit de gratter un peu parce que c'est propre aux filles ou quoi, de demander à chaque fois dès qu'il y a un gars qui a de l'argent? Il s'arrête jamais. Non, mais tu... Non, non, ok, d'accord, j'espère bien, c'était une blague, parce que... Ouais, enfin bref, à chaque fois, c'est... Je jure, l'atmosphère, ça fait 2 heures, 3 heures que je le connais. Ouais. À chaque fois, il me termine. Tu me termines quand même, c'est incroyable, comme tu parles. Après, il est surveillant, quoi, mais bon. Je suis allé dans un collège, d'ailleurs, je salue mes collégiens, le collège Clément Guyard à Créteil. Je pense pas qu'ils t'entendent, hein. Non, je pense pas, à mon avis, non, mais... Vraiment, c'est... T'entends bien un souci quelque part. Vraiment, c'est... Enfin, moi, je pense qu'il faut quand même remettre sa vie en question et savoir qu'on n'est pas en sécurité, là. Quoi? Enfin, s'ils nous entendent, c'est qu'il y a un souci quelque part. Bah, c'est qu'ils ont hacké son PC, quand même. Ou hacké le PC d'un surveilleur, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Exactement. Tu te mets à hack mon PC, bon, tu peux te dire qu'il y a quelques bitcoins qui traînent. Mais alors là, que le PC d'un surveilleur, je vois pas trop l'intérêt. Non, j'en doute. Non, je pense pas qu'il y ait 2-3 bitcoins qui traînent. Et c'était pas... Si t'as 2-3 bitcoins à faire crasher, moi je veux bien. Non, non, mais commence pas quand même. Tu t'appelles Princess Kale en plus. Ah ouais? Tu es la plus belle du serve, y'a quoi? C'est trop, c'est impossible. C'est une girl, faut. Ouais, mais j'ai vu, ouais. Elle veut que. Après, je vois célibataire, ça peut être intéressant, tu vois. T'as vu? En plus, il après, est de la LOL, donc... Ah, moi je dis, tu peux tenter ta chance, hein, mais bon, je répondrai tous les DM sous 48 heures, quoi. Par contre, c'est incroyable le nombre de ranks que vous avez sur ce Discord, hein. Ah ouais, mais vous avez pieds nos faits et gestes, quoi. On voulait tout savoir sur nous, quoi. Ouais. Ah, c'est... En fait, là, on a tout un fichier Excel avec tous vos noms et toutes vos infos, en fait. Bon, mais là, tu pars trop loin dans la blague. Ouais, elle entend. Bon, moi j'aime bien les petits fichiers Excel comme ça. Tu partis un peu trop loin. Vous voulez qu'on croise sur qui, les gars? Je vais regarder Kimi. Merde, l'écran coupe, laisse tomber. Ok. Bon, la blague a fait un flop. Mais attends, t'es vraiment en couple, Kimi, ou pas? Oui, pourquoi? Oui, mais c'est un couple d'un mec de Discord, vous êtes pas vu dans la vraie vie, c'est comme les mecs d'Internet, quoi, non? Si, c'est un vrai mec. Ah non, elle est... Pourquoi, t'es en bootcamp avec lui dans la même pièce, c'est ça? Il a son PC à côté de toi, sinon? Non, du tout. Bah, mets-lui une main sur la cuisse qu'on entende le clac, là, parce que j'entends rien. C'est pas une relation à distance. Attends, c'est une vraie relation à distance, Kimi? Mais non, il y a avec. Bah, touche-la, fais quelque chose, je sais pas, non? Pour que j'entende le bruit à travers son. Elle est pas chez elle. Ah. Elle est chez son daron. Mais t'es sûr que ça va, Thomas? T'as l'air. T'as l'air d'avoir faim quand même. Non, pas du tout, non, parce que je. C'est la dalle là, c'est chaud. Moi, j'ai vraiment l'impression. C'est rare d'être sur un Discord avec des demoiselles, donc j'en profite pour apprendre à connaître. C'était un bout de viande là pour toi, non? Vraiment? Genre, touche-la en mode bizarre quand même. Non, c'était pour m'assurer que c'était bien dans la même pièce et tout. Je voulais entendre le son de la cuisse, quoi, c'est tout, je suis bouillant. Ouais, bah. Enfin, après. Ouais, pas bizarre, quoi. Fais voir, toi, le son de ta cuisse. Hein? Atmos, fais voir le son de ta cuisse. C'est la bonne cuisse, ça, non? Ah, ça, c'est du cuisseau, ça.
Par contre, tu feras gaffe, Psycho Kitty, là, t'as pas ouvert les fenêtres quand tu. Ça va, sinon les... ça a imbibé sur les murs. N'importe quoi. Non, mais vraiment. Ouais. Bah, j'ai pas jusqu'à dire imbibé, mais peut-être. Bah, ça va sentir. La... Ouais, ça va sentir après les. Après, je sais pas, t'es dans... t'es... C'est une loc, c'est une location ou pas? Non. Ah, bah, t'as acheté déjà? T'as acheté à ton âge? Nice. Non, non, même pas. Ah, t'es chez tes parents? Chez ton mec? Oui. Ah. Non, 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 chez ma mère. Ah, ok. T'es pas ah, accompagné. Okay. Donc... Ah si, de sa mère du coup, logique. Non mais je veux dire, si elle a, y avait un... Non mais enfin, dans le plus grand des hasards, si, voilà, si elle vivait avec un autre garçon, c'est juste pour savoir. Ou une fille, ou une fille, ou une fille. Ou une fille, non. Non. Ok, donc... De toute façon, on n'est jamais mieux, accompagné que par soi-même, de toute façon. C'est ça. Tout pareil. Vas-y, mais une fois, vas-y, on va pas aller. J'aime beaucoup cette phrase. Ah, c'est une phrase bien triste. Ils sont arrivés à... Clairement, ouais. Genre, vraiment... Passe-moi notre Discord, s'il te plaît, Grim. Après, le psycho, c'est qu'elle a dit c'est vrai, alors que quand même, le but des fleurs, c'est de les offrir, quoi. Après, tu peux te les offrir à toi-même, certes, mais c'est quand même triste, encore une fois. J'adore. Donc, bon. J'adore. Non, moi, perso, je me suis jamais offert de fleurs. J'ai plus offert de fleurs à des gens, genre à ma mère. Ou... Ouais, c'est le but, ouais. Mais pas à moi. T'as un autre Discord ou pas? Après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même aussi, hein, au niveau ça aussi. Tu peux te faire un cadeau. Hein. Tu peux te faire un cadeau si t'as un travail. Ou si non, t'as déjà de l'argent. Moi, je me fais des cadeaux. Mais... Après, tu vas sur un rond-point et tu prends 2-3 fleurs et tu te fais ton cadeau. Quoi. Ouais, bah, c'est un cadeau un petit peu sympa. Ça y est, un peu la journée. La petite odeur de l'essence là, avec les petites fleurs. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question à la fleuriste? C'est la meilleure odeur, mec. Non, rien, moi j'ai rien posé. Un petit peu de samplon 95 ou quoi là. Ah ouais, on se fait modérater. Atmosphère, je te verrais bien offrir un petit bouquet de fleurs tout droit sorti du rond-point de Sergi à une femme que tu croises dans la rue, vraiment. Vraiment une femme, une demoiselle au hasard, plutôt jolie, je suppose, une meuf qui m'attire quand même, non? Bah, pas forcément, genre une femme quoi. Ouais, une femme, bah si je pouvais, je l'aurais offert à Psycho Cute et Kitty Cute quoi. Ah vraiment, je vais à toutes les femmes du coup, vraiment, t'as pas ça. Non, non, parce que je l'ai regardée, enfin je la vois, je la trouve à mon goût, et voilà, elle est très jolie, et j'aime bien ses lunettes. Ah, parce que femme à lunettes. Ma quéquette. Ah, j'aime bien, ça, la répartie est bonne. En plus, c'est un choker que t'as autour du cou, là. Oh là, doucement, doucement. Non, non, mais c'est quelque chose qui est très très joli, j'aime bien chez les femmes, ça rajoute un. Je parle du choker là, ouais. Qu'elle a. Ah, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi le coup, on appelle ça un collier de chien. Ça s'appelle vraiment comme ça parce que. Je pense vraiment pas que les gens appellent ça comme ça quoi. Enfin, ouais, enfin, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je me dis que c'est quand même un peu triste d'appeler. Non, non, mais vraiment, c'est le terme en anglais, c'est un truc, un étouffe-cou, hein, on appelle ça un choker. Ah, en anglais, on dit collier de chien, comme ça. Pas mal celle-là, non? Pas mal, ouais. Je suis bon, hein. Je suis bon, hein. Et femme qui rit, ouais, bon. Ah, moi, ah. Ah putain, elle connaît tout, j'aime bien. C'est connu, ça, quand même. Sinon, les bracelets que t'as, fais attention, c'est un nid à bactéries, hein. Sait-on jamais si tu te scarifies à cet endroit-là, si tu peux choper des maladies. Bah. Tu les as chopés dans un festival, je suppose, non? Lesquels? Solidays? Non, même pas, je suis jamais allé dans un festival. Ah, ok, mais fais attention, parce que je crois que tu les gardes très longtemps. Non, mais perso, quand je vais me laver, j'enlève tout. Ah, ok, d'accord. Ouf, ça va alors. Et du coup, tu les mets à laver aussi derrière ou dans le lavabo, non? Non. Ok, ok. Et ce sont tes cheveux, ta couleur naturelle? Non. Ah, d'accord. Bah après, en vrai, moi, je pense pas que vraiment les gens ils naissent avec les cheveux rouges. Je pense pas que ça existe encore. Non, moi je la vois. Alors je sais pas, j'ai peut-être mal réglé mon écran, mais je la vois. Comment dire, rouge. Ah non, non, c'est rouge. Ah non, c'est rouge, c'est rouge. Hein. Ah ouais? Non, en fait, il y a quelques temps, j'avais juste coloré l'avant noir et le reste, j'avais laissé un peu plus clair. Et en fait, après, j'avais fait rouge. Et du coup, après. Bon, elle va nous parler de ses cheveux pendant longtemps. J'avais refait rouge. Du coup, devant, c'est normal que ce soit plus foncé et derrière, ce soit rouge. C'est normal. C'est de l'art, quoi. Comme les fleurs. C'est ça. Eh ben. Et les cheveux, t'as toujours eu cette coupe de cheveux ou comment tu t'es construit capillairement parlant depuis que t'étais jeune? Je les avais beaucoup plus longs que ça quand j'étais un peu plus jeune.
Après, je les avais. Après, je crois que je les avais eu souvent ici. Je suis un enculé, désolé les gars. Après, je les avais eu super court là. Et après. Et trop gentil. Ben, c'est. Attends, ouais, attends, je vais. Oui, on ira faire de la F1, les gars. Là, ils ont un peu poussé, du coup, derrière, c'est un peu plus court, et là, c'est... Là, maintenant. Ok. Et d'où t'es venue l'idée de la frange ? Je l'ai toujours eu. Mais tu poses vraiment des questions bizarres. Ouais, vraiment, c'est... Non, non, mais je suis très, très franc, j'aime bien. Le pire, c'est qu'il arrive au premier degré, ouais, c'est incroyable quand même. Ah bon, n'hésite pas à installer Tinder, ça te fera du bien. Yes, bien sûr. Ou aller au éventuellement. C'est bien, on s'est intéressé, on voit que ça intéresse, hein, quoi. Ouais, mais bon, oui, et tout le reste. Bon, il s'intéresse sur des points un peu. Bah, des points, quoi. À tout. Des points, ouais. Alors, on parle juste de chevelure. Sinon, la marque de tes lunettes, c'est quoi ? La marque de tes lunettes, c'est quoi ? Aucune idée. Ah merde, c'est question, putain. Je voulais manger. Là, t'as pas trop loin de vos questions, là. Atmos, vas-y, continue, on te laisse continuer, là, t'avais l'air bien parti. Très bien. Et non, enfin, je sais pas, à part comment dire, les fleurs, est-ce que tu as une autre activité à côté qui te comble, enfin, t'es... Moi, à côté, je dessine. D'accord, très bien. Ouais, okay, vraiment, ouais, c'est une artiste, quoi, c'est une artiste. Ouais. T'es une artiste, très bien. Et est-ce que ça t'intéresserait de peindre, par exemple, des femmes ou des hommes ? Parce que je sais que j'ai une amie qui fait ça. Elle se met... Moi, personnellement... Tu le fais ? En fait, moi, ce que je fais souvent, ce que je fais toujours, en fait, j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans en arrière, c'est de faire des nus de femmes, mais que je mélange à la nature, genre avec des fleurs, avec des trucs comme ça. D'accord, c'est ce que je te parlais, voilà. Donc, elle se met toute nue. Donc, bien sûr, elle est payée pour ça. Et il y a des gens, des artistes autour qui la peignent, enfin, qui... Et oui, toi, tu fais ça aussi ? Non, moi, je me fais... tu voudrais poser ? J'ai pas de modèle. Oh oui. Alméo, c'est très beau en modèle. J'ai pas de non, modèle. Non, j'ai dit Atmos, pas Alméo. Vraiment pas. Après, non, mais Alméo, s'il pourrait. Quoi, non, t'inquiète. La reproduction d'une personne, c'est que je demande à des gens qui m'envoient leur faciès. Ouais. Que je vise pour leur portrait, pour que je m'entraîne justement à faire des portraits. Du coup, voilà. Très bien, bah, à l'occasion, ouais, bah, on se parlera en privé. Peut-être que j'ai un truc à te faire faire. Pardon ? Je vais finir tout ça, hein. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée, parce que voilà, c'est simplement une relation amicale et tout. Voilà. Pourquoi à chaque fois arrêter de voir le. Non, je sous-entendais même pas ça. Non, moi j'ai rigolé parce que j'étais sûr que t'allais demander en mode pour poser, tu vois. Ah, pour poser, oui, ça me dérangerait pas. Après, je sais pas si elle serait. Il y aura assez de place en fait pour tout. Enfin, si ouais, je pose, par exemple, si je suis t'amuse, entre guillemets. Tu prends trop de place pour le tableau ? Enfin, une partie de. Enfin, je. J'ai compris trop vite. Oh my god. Ah mais moi j'ai compris dès qu'il a dit qu'il n'y avait plus de place. Hein. Donc voilà, donc, mais après sinon ça la dérangera pas, je pense. Elle a déjà vu des hommes nus, je suppose. Oui. Bon. Okay. Bon. Ça va. Si tu vraiment penses à les Tinder. Les gars, mais vous avez... Parce que c'est de l'art, les gars, vous... Oui, oui, de l'art. Bah moi, je regarde souvent, ça m'arrive souvent de regarder des photos de charme, des femmes, des photographes. Enfin, après, faut pas avoir peur du marron, quoi. De l'art entre gros guillemets, quoi. Bah, de l'art, les gars, écoute, vous êtes dans le chat, vous êtes d'accord avec moi. C'est comme si je disais, là, bon, bah, je vais aller chez Kim poser nu pour l'art. Mais pourquoi moi, direct ? Pour moi. Bon, bah, en tout cas, ça a été un plaisir. C'est un beau dessin. Ça a été un plaisir d'avoir fait votre connaissance. Nous, moi, je vais devoir décrocher. Et on doit aller. Parce que nous, on doit aller faire un petit raid chez des amis. Ah, ouais. Au prochain serveur. Ouais. Oh, moi, je pense que je vais me tirer tout simplement. Et puis, voilà, c'était un plaisir en tout cas. Il savait qu'on allait les raids. Pas forcément partout, tu vois, pas forcément partout, mais. Ah non, pas à ce point-là, merde. Lui aussi qui s'est fait rejected. Aïe. Ils méritent pas, eux, non ? Non, pas, toujours pas. Non, il mérite pas. Kimi, s'il te plaît, commence pas à parler comme ça avec moi. Quand même. Ah, c'est. Atmos, c'est quelque chose. On n'a plus assez d'amour pour notre bon fondateur. C'est pas gentil, ça. Non, ils sont cool. Non, pas des fins, les gars, pas des fins, ils méritent pas, les mecs. Il s'est fait rejected, hein, c'est. Attends, je vais en trouver un autre. Vas-y, je vous laisse, bonne soirée à vous, ciao. Attends, je vais en trouver un autre.
Bah, qu'est-ce que tu veux, Red? Ils sont trop gentils. Non, ils sont trop gentils parce que j'ai dit au chat. J'ai pas... Non, pas de Red. Ouais, mais c'était mignon, hein. T'as vu, c'était cool. Ouais, mais Henri, il parlait. Bon, après, toi, t'es incroyable. En fait, même quand tu. En fait, elle te répondait à tout premier degré. Ouais, c'était incroyable. T'as vu la première question? Je pensais pas qu'elle allait faire. Elle a duré 10 minutes, 15 minutes, elle a parlé de mais sa gros, vie. Mais c'est sûr qu'elle est. En fait, elle est juste gentille, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Et un peu innocente, en fait. Ouais, là-dessus. Ouais, elle est vraiment innocente et elle s'en bat les couilles, en fait, je pense. Attends, c'est dingue. Savoir, voilà, c'était incroyable. Attends, je t'en... un dernier et c'est quoi là, je vais arrêter là. Ah ouais, je vais regarder par contre, je vais arrêter là. Ok, vas-y. Bah, d'accord, vas-y. De toute façon, je le mettrai sur le chat, le Discord si tu veux intervenir. On fait un dernier, les vas-y. Mecs, parce qu'il y en a qui veulent de la F1, ils ont plus. Bisous, merci de passer, c'était cool, ça m'a fait plaisir. Vas-y, la bise. Ciao. Les mecs, on va faire ça, les gars. Comme ça, moi, je vais décrocher, les gars, parce que l'heure elle m'attend. J'en fais un dernier et on aura fait quand même une bonne soirée de parce que je sais que les trucs Discord j'ai vous aimez bien. Alors est-ce qu'on y va en frontal? J'en ai un mais pas de cam mais il y a du monde. Ok. Attends, d'abord je regarde ce que j'ai. D'abord attends, je regarde ce que j'ai mais j'ai pas grand chose moi. J'aimerais bien prendre un TS, un Discord qui mérite vraiment, tu vois, là où je me fais full insulte. Comme celui d'avant, là, c'était bien celui d'avant. Non ? Enfin, celui d'avant, avant dernier. Attendez. Est-ce que je me fais ban de celui-là ? Non, ça va pas être legit. Attends, je vais juste voir un truc. Voter Mélenchon, toi. Ah, tu veux pourquoi devenir président ? Okay. Parce que les chômeurs, ils aiment bien voter Mélenchon. Ils votent pour personne, mec. Ok. Ah, bah, je vois, voter pour Mélenchon. Ouais. T'es un petit chômeur, mais les petits chômeurs, ils aiment voter pour Mélenchon. Ils aiment bien rien faire. Fais gaffe à pas te bah, faire ban avant les fins. Écoute, pour être chômeur, mec, faut avoir déjà travaillé une fois dans sa vie. Et je n'ai pas travaillé dans ma vie. Donc, ah, bah, salut, Scoozy. T'es un déchet alors. Lis le message de Mehada. Non, mec, toi, je vais te mute en fait. Tu vois, y a pas. Pas oh, bah, si, Je vois pas, non, y a un en gars. Fait, tu dis pas déchet sans raison, tu vois. Mais non, t'es un déchet en fait. C'est méchant, tu vois. Mais tu te lèves à 13h, excuse-moi, tu te lèves à 13h, tu fais rien de tes journées, t'attends 2022 pour travailler. Pour moi, t'es un déchet. Alors, mec, tu connais pas ma vie. Après, c'est pas parce que tu travailles pas que t'es forcément un déchet. J'ai peut-être eu des graves problèmes et que tu sais pas, donc ferme ta bouche. Non, même. Genre, dans tous les cas, il y a aucune raison pour se lever à 13h et pas travailler, quoi. C'est quoi ce vieux clash de merde, les gars? En vrai, qu'il le sache ou pas, déjà, il a aucune raison de te traiter. Putain, je me lève tes journées. Non, ça va, teuf. Moi, j'ai connu pire. J'ai une perte quand je travaillais le jeu à l'époque. À l'époque, je faisais un peu. Il y en a, ils foutent rien de leur journée, pourtant. Papa, t'en penses quoi? J'en pense quoi de quoi? Est-ce que tu penses que celui qui se lève à 13h, c'est un déchet pour la société ou pas? Ah bah c'est une grosse merde, ouais. Ok. C'est une... enfin, en gros, moi je travaille, je paye... Bah c'est ton avis. Alors, toi je te mute, et toi je te mute, c'est pas toi que je voulais. Ah mais t'as une petite espèce de chômeur de merde, c'est ça? Alors, voilà. Ah ouais, c'est un déchet, la société. Non mais les gars, jugez pas comme ça aussi, j'arrive, vous parlez de ça les gars. Moi ça m'arrive de me lever à 15h, 4h les gars, je vois pas la journée. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gilles Well? Qu'est-ce qu'il a, Gilles Well? Tu parles à qui, mec? Atmosphère, t'as rien non, compris. Mais c'est un mec qui se lève tous les jours depuis 2 ans à 13h et qui fait rien de sa life. Et qui attend 2022 pour travailler. Hein. C'est-à-dire mais qu'il veut pas travailler maintenant. On connaît pas sa vie, ça se trouve. Je sais pas, il a développé un business à côté, derrière, ou il, a, un il est dans l'arme. Il se lève à 13h. Tu sais que tu cotises pour lui, hein. Ne crois pas que c'est pas bien. Mais s'il est actif, les gars, le reste de la journée, là, dans la nuit, il est actif, il travaille pour la société, c'est... Il est sur Discord à 21h46, qu'est-ce que tu me parles d'actif la nuit, frère? Bah, c'est sûr, ouais. Il programme, il taffe, il est en freelance. Il nous a dit qu'il foutait rien et qu'il attendait 2022 pour travailler, frère. Enfin, ça, Pierre, vous savez quoi, j'ai une meilleure idée, vous pouvez arrêter de faire des embrouilles Discord, les mecs, c'est pas... Il a étudié, ce mec-là, ça se trouve, il a étudié, il est allé loin dans les études, les mecs. Il y a pas d'embrouille. Ah ok, vas-y, s'il n'y a pas d'embrouille, c'est quoi le centre du débat? Massi, dis ça, t'es allé où dans les études? T'es allé loin, non? Moi, je suis en première, là. Bah voilà, les gars. Ah mais... On est en licence, on est en licence. Non, moi, je m'attendais à un mec qui me dise ouais, qu'il est en licence, au moins, ou je sais pas, il mais est moi, en moi, je suis en licence. Ouais, bah moi, je suis en licence, mon pote. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ouais, mais celui qui branle, apparemment, qui branle rien et qui se lève à 15h, c'est Massi. C'est pas bon. Non, c'est moi, mais en fait... En fait, parce que okay, genre, okay, je dis, toi, je vais te l'expliquer parce que t'as l'air d'être bien. Moi, je les ai mutés tous les deux là parce que tout ce que je vais raconter, j'ai pas envie d'entendre. Bon, d'entendre. Allez. Donc, là. En gros, ce qui se passe, c'est que genre, je me suis fait desco. Enfin, genre, j'ai voulu avoir un diplôme.
J'ai loupé parce que, bref, j'ai fait de la merde, mon comportement n'a pas suivi. Et c'est ouf, le mec. Chiant, ouais, parce que je pouvais l'avoir. J'ai envie de la terminer, mais bon, vas-y. Ses études, mais en fait, mon comportement a fait que je me suis fait virer. Mais c'était en quoi? T'étais encore au lycée? C'était quoi? Quelle formation? J'étais encore au lycée, en plus, j'étais en bac et tout, mais genre. Ah, t'étais en bac. C'est pas que je m'étais motivé vraiment parce que, en fait, j'ai toujours eu des problèmes de comportement, ça fait que. Je démarrais au quart de tour et donc ça marchait, ça marchait pas en fait dans le milieu professionnel. Ouais. Pour les stages et tout ça. Ouais, mais le bac il faut quand même tuer, comme ça ne passe pas pour les études supérieures pour avancer, non? Ouais, mais genre j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, bref, j'ai pas réussi. Les mecs, si vous pouvez éviter, si vous pouvez glousser. Évitez de vous moquer, ouais, gloussez pas, les gars, il explique sa situation. J'ai un peu mal au crâne. On est qui pour juger, les gars? Regardez nos vies. Moi je vous dis, les gars, moi je suis surveillant dans un collège, les mecs, regardez nos vies, les mecs, hein. On n'est pas mieux que lui. Et en gros, ce qui se passe, c'est que. C'est un bâtard. On m'a laissé une chance. Enfin, on m'a laissé une chance. C'était super sympa de la part du lycée. Il me fait, ouais, on te laisse une chance. Si tu fais un pas de travers, le truc, c'est que tu vas te faire vivre. Quoi. J'ai vraiment voulu. Vous avez fini de rigoler, là, les deux gags, là? Casser les couilles. Ils font mal au crâne depuis tout à l'heure. Écoutez-le, les gars, écoutez-le, respectez-le. On entre dans. Et j'ai voulu vraiment tenter et tout. Sauf que j'ai fait un pas de travers, une personne qui m'a énervé et je me suis un peu énervé. Et donc malheureusement, ils m'ont viré. Ouais. Et attends, donc à partir de là, vraiment, ça m'a démotivé en fait. Genre, j'ai vraiment tenté de trouver du taf et tout, autre part. Rigole à ton tour. Je suis médicalement et tout par des gens. Ses parents sont derrière lui ou c'est. Ça fait. Ouais, au final, là, 2021, ça fait. J'ai vraiment bossé pendant 2020 et tout, j'ai vraiment fait des trucs. Mais ça n'a jamais marché, c'est toujours, toujours mal passé. Là, 2021, la personne qui me suit, il me fait « Bon, on a bien vu que tu galères dans les boulots normaux, donc on va t'emmener en ESAT, tout simplement. » Et voilà. Donc là, en 2022, je devrais travailler en ESAT, en fait. En quoi? En ESAT, c'est quoi? J'arrive pas, en fait, à m'intégrer dans les entreprises normales. À la NASA? Non, en fait, c'est ESAT, c'est tape sur Google. Attends, je tombe en lien. Genre. Oh putain, vas-y, je vais mettre ESAT, ça va être incroyable, Neil. ESAT. Établissement de travail et d'aide. De travail, quoi? Un établissement. Tiens, ouais, je t'envoie le truc. En situation de handicap? Tiens, je t'envoie le stage. Mais le bon Dieu, c'est handicapé. Ah, mais il nous a pas dit qu'il est handicapé. Tiens. Bon, bah, tout est bien qui finit bien, les gars. Ça va de glousser comme des cons les autres. Hein. Non, mais t'es dans ce que je veux dire. Neil, Aïchik, Neil. Pas d'un, s'il vous plaît, ici. Pas d'un, merci. Attends, Aïchik, Neil, mais Ezat et mes images. En gros, c'est ça. Aïchik, Neil. Neil, si t'es mon frère, mais Ezat et va dans l'image. C'est pas que j'ai pas voulu bosser ou quoi, c'est vraiment que. Le Ezat n'est pas dans l'image, les gens j'ai capé. Mais. Non, mais en fait, Kat, même avec de la volonté, j'arrive pas à. Est-ce que tu peux demander à Kat c'est quoi son handicap, s'il te plaît, mais gentiment. Tout simplement. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Casse-toi, me parle pas, toi. À glousser, à te moquer d'un handicapé, bouffon, va. En plus, tu rigoles, nique ton père. Regarde ma pépé. Voilà. Bon, en tout cas, force à toi, Kat, moi je vais devoir décrocher les mecs comme ça. Mais pourquoi t'inquiète, je les ai mis de toute manière. Donc, ok. J'ai mis. D'ailleurs, je suis con, depuis tout à l'heure, je peux les muter, je les ai même pas mutes, ils me font mal à la tête pour rien. Bien vu, Massi. Bien vu, Massi. Mutez-les. J'ai mis ESAT. Salut. J'ai mis ESAT. Ah, bah, c'est bon, je vais mettre les bonnes personnes. Vas-y, je vais pas aller les raids. Putain, il a. Mais non, c'est pas Call of ou Assassin's Creed, c'est. Putain, mais pourquoi il est pas plus beau que Battlefield? Non, mais c'est un jeu pour rigoler, gros. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Is standalone B-side right now. Hey, tu vas arrêter de me faire chier. Salut. Évite de me crier dans les oreilles, s'il te plaît, merci. Arrête de crier dans les oreilles, s'il te plaît. Attends, je l'entends un autre. Il est où le Discord, là, à chaque fois qu'il y avait trop de monde avant? Alors... Que de B, alors lui. Non, mais en fait, je trouve sur des channels, les gars, comment dire, c'est des channels qui sont limités à 10 personnes. Donc, moi, je voudrais trouver un channel, les gars, j'arrive.
Un channel, combien de slots vous voulez au minimum, les gars? Vous êtes combien dans le chat qui est prêt à raid? Vous êtes combien? Qui est prêt? C'est ça que je viens de savoir. Parce que si on a une 15, si on a... Franchement, pour faire un beau raid, ne serait-ce que 6-7, mais si les 6-7 envoient des bins de malade, bien synchro et bien des bins qui cassent bien les oreilles, l'effet, il sera là. Une petite centaine, je pense. Attends, je regarde. Prêt, il y en a 4, 5, 6, 7. F1 est en stand, c'est dead. Ok, Balgrim, j'ai un beat de l'enfer, Riri, là. Il y en a qui sont trop excités. Ils sont trop excités. Ils sont à fond, putain, ils attendent que ça. Bon, attendez, je vais en trouver un. J'ai bien des anciens Discord, voyons. Attends, j'en trouvais un. Il se passe qu'il y avait trop de gens bizarres. Salut. Ouais, salut, Christian. Oui. Voilà, c'est vrai. Ah, bah, je vois que vous étiez ensemble en train de vous toucher. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps, les filles. Moi, je suis une vraie halal. Je suis pas des trucs comme toi. Il y a un bout qui parle. Salam. Salam, allez. Putain, il me fait penser à l'autre, là. Qui? Un gars, il nous menace. Qui vous menace? T'inquiète. Je t'ai jamais menacé? Non, mais genre, t'as la même voix que lui. Ah, ok. C'est-à-dire comme ça, un gars qui parle comme ça? Je suis trop taqué de tes zébés. Oui. Alison. Récite une sourate. Alison. Non, c'est pas la place pour faire ça, je peux pas. De quoi? Je peux pas. Pourquoi? Pour te prouver que je suis à l'aile comme toi, c'est ça? Non. Mais t'as quel âge? Non, mais je t'ai rien demandé de prouver. Ah, ok, bah alors ne demande pas faire ça. T'as quel âge, toi? Non, tu t'en... Non, mais dis-moi la vérité. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Pourquoi t'es à l'aile? S'arranger de quoi? C'est quoi ton petit prénom, toi? Dis-moi quel est ton petit prénom. À qui? À toi. Et pourquoi tu chuchotes? Parce qu'en fait, il y a... autour de moi et tout. Des gens autour de moi. Ah, ok, ok. Ouais, dis-moi ton petit prénom. Est-ce que tu veux que je chuchote aussi pour pas qu'ils entendent? Ouais, vas-y, chuchote avec moi. On m'appelle El Predator. T'es une petite skinny, toi. Hein? T'es une petite skinny, toi. Hein? Moi, je suis une skinny. Ouais, c'est ça, en train que je te pète tes deux petites pattes arrière, c'est ça, hein? Hein? Chut. Et comme un feeling qui s'installe entre toi et moi. Shibuya. Calme-toi. Ok, je me calme. Voilà. Ouais, je te pour toi, je suis un bon petit toutou. Je me calme. T'encaisses bien, toi, en tout cas. Comment ça? Ouais, je sais pas, je peux parler avec toi de tout et rien. Je peux être même très cru. Je peux être derrière toi. Tu sais, que tu sentes la respiration, ma respiration. C'est quoi, tu me donnes chaud là? Je suis dur de partout là, vraiment. Attends, deux secondes. Arrête. J'ai connu une fille aussi qui me disait ça. Arrête. Et paf, Latina, elle arrive. T'es pour le prix d'une. Les deux consanguines du net, mon frère. Je suis sûr qu'elle doit se toucher la schneck, celle-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est deux goûteuses de minou, celle-là. Marge, est-ce que tu m'as préparé mon donut? Sucré. Au sucre. Par contre, j'étais avec les deux demoiselles juste avant. Ça serait bien que tu les dégages, gros. Comment ça, t'étais avec les demoiselles? Salma et Gina. Et alors? Niquez vos morts, bande de salopes. Crevez avec le Covid, bande de fils de pute. Est-ce que vous méritez que le système il vous la mette dans le cul, bande de salopes? Tu veux que je te termine? je suis calme. Je suis rien terminé du tout. Par contre, moi, je vais terminer de pisser sur ta bouche. Ouais, mec, pourquoi tu prends ta boîte du soir comme ça, là? Parce que je suis bouillant.
Une ma mère, j'ai resté, ça il y est. Il a pas encore fait les couilles. Ouais, je suis en train de m'embrouiller avec Bamboula numéro 1, Bamboula numéro 2, mange ta mère. Et une tiche avec deux meufs qui crient au calais, ça y est, baisse ta mère. Je te dis, ça te fait penser à quoi le 69? Il y a un autre truc, ça te fait penser à ça, toi et toi. Ma mère. Une ma mère, il joue à Clash of Clans. Bigo live. Commence pas, mec, à me faire chier. Tu pourrais le regretter, vraiment. Non, mais vraiment, commence pas, gros. Ouais, ouais. Non, mais je préfère te le dire. Tu sais pas qui tu t'attaques. Ah oui, ouais, my bad. Ouais, bon, t'es pas à l'abri de revivre le dernier tour de F1, hein, je te le dis. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, salut, Salem. Bonjour, monsieur. Salem. Salut, je suis tombé avec une demoiselle juste en haut, là, une halal. Malheureusement, mineur. Hein? De quoi? T'as quel âge, toi, prénom attends, arabe? Ça arrête de faire le BDG, frère, ça y est, il est dans tous les vocales pour choper des meufs. Ta gueule, fils et de alors, pute. Et alors, ça, et je, pourquoi tu parles une mal, ma mère, mec? C'est pas ce que je fais. Ta mère, je te baisse ta mère, Atmos. Une ma mère, hey, je t'écoute. Mais gros, mais mec, tu vas rien faire. J'ai ton IP, je te commande des pizzas, c'est bon? Mais y'a pas de problème, mec. J'adore ça, les pizzas. Vas-y, pizza, pizza. Mais pourquoi tu m'embrouilles comme ça, mec? Pizza au thon, mon frère. Mec. Laisse-moi parler, j'étais tranquille avec ces gars. Donc commence pas, sinon on va se régler, on va aller sur un channel, je vais terminer en fait. Parce que tu fais le malin. Vas-y, viens. Mais t'as pas de... ramène tes potes. Non mec, mais non, t'as mais pas y a de pas de potes, mais vas-y, par pitié, mets-moi dans un channel et termine-moi, par pitié. Mais ça sert à rien, tu mets... Bah tu vas, je vais terminer. Mais tu as dit que tu vas aller récupérer mon IP, qu'est-ce que j'attends? Non mais là j'ai ton IP, donc frérot, t'as pas de couilles ou quoi? Alors j'habite où alors? Ok. Ok, ça marche. Donc, bon, attends. Pizza à l'ananas, frérot, ça marche Au port, si tu veux. Je te commande, vas-y, 50 pizzas, ça part. Attends, je parle à tes potes pour te dire de te raisonner parce que t'es vraiment con, mec, hein, je te le jure. Hein. Vas-y, parle à mes potes. Ouah, vas-y. Ouais, bon, salut les gars. Par contre, vous le connaissez, Marco, là, il arrête pas de me harceler, il vient de channel en channel, il me casse les couilles en fait. Qui? Marco, vous pouvez pas. Quelqu'un pourrait pas le bannir là? Il casse les couilles. Je suis en train de parler à une demoiselle et à chaque fois il dit que je suis un pédophile. Oh le daron il se fait chasser par un mec sur Discord. Bah j'aimerais bien parler à des gens tranquillement, échanger que ce soit avec des filles et ou des garçons. Pourquoi tu le bloques pas? Bah en fait, le problème c'est que dès que je vais sur un vocal avec d'autres personnes, il vient leur parler en disant ouais, je suis un pédo. C'est bizarre. Tu peux juste lui parler, lui dire un mot ou pas, Malbolge? Mais il est pas là, hein. Pourquoi? Moi, j'ai pas les termes. Il est pas là, hein. Il est pas dans la VOC, hein. Il est pas dans la VOC, hein. Ok, d'accord, il s'est barré parce qu'il s'est chié dessus. C'est quoi son pseudo? C'est Marco. Il a menacé, il m'a dit il a mon IP. Ah, d'accord. Oh, il aurait dit ça dans cette vocale. Bah, moi, j'ai peur, moi, j'ai pas envie qu'il récupère mon IP et qu'il m'envoie des pizzas et tout comme ça, ça m'est déjà arrivé. Attends, mais comment il peut t'envoyer? Ouais, il va rien faire. Tu fais rien du tout. Voilà, les IP, ça me rappelle l'époque BO2, frère, voilà. Ça voulait être des mecs sur BO2, frère. Est-ce que t'es obligé de dire là à chaque fois, mec, comme si c'était une virgule, mec? De quoi? Non, mais les gars comme toi, les Wallaman comme toi, ça commence à me casser des couilles, ça commence à bien faire. Non, mais ça veut dire ça. Wallah par ci, Wallah par là, Wallah, je l'attache mes lacets, Wallah, je suis en train de faire la toilette. Ah, c'est vrai qu'en 2021, Wallah. Non, mais ça casse les couilles en fait. La vie, Ben, il parle à toi. Il parle à moi? Bah oui, je parle à toi, gros. J'ai dit une fois, frère. Mais non, parce que non, mais je le sais que tu vas le dire plusieurs fois, c'est un tic de langage, tellement t'as pas de brain. J'ai jamais Wallah. Ouais, mais alors dis pas Wallah alors. Arrête de dire Wallah. C'est la dernière fois que j'entends ça. Ah, nique ta mère, voilà, il veut faire okay, bon, allez, 2.0, bah nique ta mère. Allez les gars, c'est parti. Même Discord que tout à l'heure, les gars. Channel 18, vous êtes prêts, c'est les mecs? C'est même pas animum, c'est ah, chef taron, frère, il a... Channel 18. Tu vois, là, t'as dit voilà deux fois, frère. Bon live, gagne. Bonne fin de live, les gars, amusez-vous. Voilà que voilà. Je vous mets à l'antenne. Bah, nique ta mère. Il va ramener tous ses comptes, Montre-moi ta jambe. Ma connexion, ma crash, gros. Oh non, ils vous mutent tous. Ah, ils sont pas. Mais attends, mais dans tout ça, tu veux que je banne quoi, en gros? Ah, tu fais un banne tout le monde, frère.
Bah, non, 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 peut-être t'évites quand même. Tu vas se faire prendre en touche par le livre. Ah oui, ah oui, ça je valide ça. Et c'est Tommy Akinen. Putain, il a que ça. C'est qui fait des billes vocaux là? C'est des baisers, ils auront des billes perdus. Ouais, je vous envoie le Discord, vous pouvez y aller, allez-y les mecs. Il fait des plaisirs. Channel 18, vocal 18. C'est qui fait ça? Alors on dit plus roule là. Vous avez que ça à faire. Alors on dit plus roule là. Ça fait faire un peu solo. Il a dit alors on dit plus roule là. Ouais, c'est un baiser. Mais comment? Stocké. T'es mort, j'ai stocké. Ta mère la pute. Eh, mais oula, là, c'est pas bien. Il a ramené. Tu pouvais fermer ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Oh, si tu pouvais. Tu connais ta mère, tu mange mon espèce de salope. Ah, ouais, il nous a ramené un enfant de prison. Ta mère, ouvrir ta gueule, là, tu pourras venir. Pense-toi quand je m'emboucane avec un bon. Eh, oula, tu n'as pas mal à la mettre dans le fion. Ah, j'adore la snowboard. Par contre, j'ai 150 cas sur le net, ce gros bouffon. Ah, ils ont ramené des extrêmes droites dans la boucle. La chibre de ta mère. T'inquiète pas, si je veux, je m'en contrerai dessus. Alors arrête de faire la ouf, espèce de grosse pute sur le net. Ferme ta gueule. Ils ont ramené un téléco là. C'est qui ça? La mouk. La mouk. Il y a un mouk dans la boucle. C'est un clochard, là. Ton daron à porte d'Auteuil. Au PMI en face de la gare, fils de pute. Bah. Attends, moi je change de channel, les gars, parce que mes oreilles là, elles sont en train de titiller. Oh, channel combien? C'est qui lui? Mais calme-toi, gros! Tu t'es qu'un ventile! Attention, c'est abus du DRS! Abus! On va gagner le système! C'est qui a les billes de Merwan? Eh, hey, moi aussi, je suis un mec de quartier, je suis en réinsertion sociale, dans un activé social. Niquez-moi, merde! Ton papa. Elle a cassé. Ouais, mon papa, il va bien. Envoyez du Latina en frontal. Latina en frontal. Mais ta gueule, frère, tu rends fou. Sanguine, elle va faire du coup, elle va dans elle va kiffer, c'est tout ce qu'elle va faire, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais c'est quoi ça? Les arabes. Moi je suis mal, ta gueule de blanc. Il se passe quoi les gars, les filles en haut là? J'ai rien compris. Les arabes ils ont attaqué. Mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui les a ramenés là? C'est les arabes. Grande fouche, c'est mal. Oh, j'ai mis un but, Starfall, je suis choqué. Voilà, voilà. Non, attends, j'ai deux secondes parce que attendez, j'ai un problème. Venez, envoie le cas 21. J'ai un problème. Oh non, ça arrive. Voilà, ça arrive. Putain, il y a sorti une descente. Mais c'est pas moi qui. J'ai envie de savoir ce qui les ramène en fait. S'il vous plaît, arrête. C'est chiant là. Alors, les gars, je pense avoir abus perme, les gars. Vraiment. Hein. Là, je vais me lâcher. Là. Je me lâche. Bon, ben, ça sert à rien de bouger. Hein. Parle bien de ta bouche. Je vais t'éclater. Tout ce que je vous demande, c'est énerve-moi pas. Bonsoir. Bon allez, merci les gars. Ouais, salut, il y a un souci là-haut, je crois qu'on se fait raid et c'est un peu relou en fait. Il y a pas un modo? D'accord. Ouais, on se fait raid. Bah, dis tout savoir qu'il va bien se faire enculer et que Ahmed je l'encule profondément. Bah, il va se ramener putain, c'est chiant. Et OK, je l'encule à cacher aussi ce fils de pute. Bah, vas-y, bah parle-lui parce qu'il arrête pas de faire le con. Voilà, je suis pas ta copine, moi. Parle bien avec ta bouche.
Je vais lui mettre des barres. Je vais lui mettre des barres. Ferme ta gueule, je vais te mettre des barres. Ferme ta gueule, là je te ramène tout le monde. Mais là c'est tout l'euro, espèce de pute. Ferme ta gueule. Lâchis, bro. Ta gamine, t'inquiète pas, si je veux, je mets un contrat dessus. Alors arrête de faire la ouf, espèce de grosse pute sur le net. Ferme ta gueule un peu, tu fais la ouf, t'insultes tout le monde, espèce de salope. Et tu vois pas les conséquences, grosse pute. Alors ferme ta gueule, gros chien. Tout simplement, la compte ta gueule. J'en ai un foot, moi, tu crois, va faire quoi? Elle va faire quoi, ta consanguine? Elle va faire quoi? Elle va rien faire du tout, elle va se mettre un doigt dans le cul, c'est tout. Elle va kiffer, c'est tout ce qu'elle va faire. On laisse Latina en freestyle, les gars, la laisse. Putain, elle a 19 ans, elle se met 3 doigts dans le cul, elle a encore 4 doigts. Merci d'avoir suivi, les gars, je suis pas la vie du fait. Merci pour les gros cœurs, ceux qui sont abonnés, les gars, vous déchirez. Tu sais que tu peux faire du sale avec sa gamine, tu le sais, ça. Parce que toi t'as pas les couilles, t'as pas l'argent, t'as pas les filles. Mais oh là là, mais faites pas de gosse mon cousin, mais la vie de ma mère. Ah ouais, 26 ans, je t'ai déjà fait casser la chatte. T'as déjà un gosse. Mais ce qui est ton cul, je vais te casser le cul. Putain, elle va fermer sa gueule. Ça mets le moi bien profond. Non, non, mais j'y ai mis fin. J'ai mis fin. Salut, j'ai un souci en fait avec le vocal. En haut, il y a des gens qui arrêtent pas de squatter. Ta gueule. Non mais vraiment. Je vivais mal, tu vois. Pourquoi ouais, tu dis ta gueule, t'es sérieux mec? Vocal 29 les gars. Déjà t'as une voix qui est forte, le micro il est fort et il parle. Et alors, c'est pas une raison de m'insulter chômage, mec. J'ai plus le chômage. Mec, je vais me laisser. Oh là là, je vais tenir fou. Les gars, venez, on va vocal. Les gars, Sanmai Jena, y a pas un problème là avec le serveur? De quoi? Je sais pas. C'est j'ai... déjà bizarre. J'essaie de les éviter. Vas-y, ça va, on reste entre nous trois là, ça c'est bien. Débarquez les gars, ça l'entre en vol 432. Qui est bon mort, bande de salopes. Ta photo de beurette de merde. Mais la vie de ma mère, tu vas voir que je vais casser le cul. Je crois là, c'est bien. Raconte pas ta vie, fils de pute. Attendez, je vais faire un dernier. Ouais, salut, désolé de vous déranger, y a pas un modérateur pour revenir à ma rescousse? Y a pas de modo. Channel apaiser ma haine, les gars, descendez tout en bas. Et tu peux pas mettre. Ferme ta gueule, je te dis, ferme ta gueule. Parle bien, meuf, t'es qui toi? Ferme ta gueule. Lâche. Bonjour. 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 Putain, c'est quoi ça? C'est toi qui les a ramenés ou quoi, apaiser ma haine? Mais c'est quoi ça? Mais Starful. Arrête de dire Starful là, calme-toi. Non, non, tout ce que je vous demande, c'est énervement, toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te tarse. Ta gueule, James. Tu vas me tuer le jour qu'elle sera tuée, t'as gagné, mon pote. Ferme ta gueule. Voilà, je suis pas ta copine, moi. Parle bien avec ta bouche. Je vais t'écouter. Écoute bien ce que je vais te dire, la chatte à ta mère. Écoute bien ce que je vais te dire, t'as vu. Qu'est-ce qui me dit que t'es passé pour gagner 29 ans déjà, t'en fais 16 avec ta gueule. Oh, t'as un t-shirt, t'as de la crasse en dessous de tes bras, déjà que ça se voit bien. Miskina, déjà, commence déjà à changer de t-shirt. Déjà, après, on en reparlera sur ta gueule éclatée. Et après, on en reparlera. Ferme ta gueule, je te dis. Ferme ta gueule. Ma mère, chouf, je vais lui mettre des baffes. Chouf, je vais lui mettre des baffes. Parle-moi bien, je te dis. Tu vas faire quoi? Parle bien de ma mère, connasse. T'es sérieuse? Alors arrête de faire la ouf, espèce. J'ai pas fait la ouf, ferme ta gueule, j'ai pas fait la ouf. Le machine, on voyait tous ces bzés à 5 ans, frère. Mets-toi de ton cul, je vais te casser le cul. Oh. Comment ça, mets-toi de ton cul? T'es sérieuse là? Parlez mal là. T'as compris que je t'ai fait casser la chatte? Enfin, ta gueule. J'ai jamais des bêtises, j'ai pas de chatte, j'ai une bouffonne, j'ai pas de chatte. L'image que j'ai une schneck et t'imagines que j'ai une bite et 3 boules. Bah vas-y, tu sais quoi, je vais terminer. T'as vraiment une bite là, je vais te frapper ta gueule. Tu vas faire quoi? Tu vois maintenant comment tu les termines, ces fils de pute? Tu les termines comme ça. Tu leur fais du olé olé, hola hola, ces salopards. Mia putain. Ouais, tu m'as cassé les couilles. On s'en bat les couilles, frère. Respecte-moi. Oh là, je suis pas très copine, moi. Parle bien de ta bouche. J'essaye de pas te parler, en fait. T'es mort. T'es un roi. Tu sais pas ce qui est arrivé il y a pas longtemps? Il y a un pédophile, ma cousine. Il était là en train de se masturber sur une gamine de 3 ans, Miskina, en live. En live, il y avait une gamine de 3 ans. 3 ans, il était en train de se branler sur elle, mon pote. Tu devrais le savoir, non? Mais elle avait pas 3 ans. Elle a juste putain de télécommande de mort.
Suce-moi la chatte et ferme ta gueule. Oh la cagette de tes morts. Si tu m'entends, suce-moi la chatte. J'ai envie de me faire bouffer le schneck comme jamais avec deux boules de glace, avec une petite banane banaspi avec du bon chocolat et tu vas me la sucer bien profondément si tu m'entends. Je vais rien sucer du tout. Enfin, regarde la bouche de suceuse qu'elle a pas. Elle a sucé des noirs. Et je la vois bien se faire casser le cul par un nègre et je te jure qu'elle le suce. Mais arrête elle de dire des bêtises, c'est référencé. Noirs dans une cave à train de leur sucer la bite. Je sais pas pourquoi on t'a pas sonné avec ta photo de fake et de poisson perché paysan. C'est référencé. Parce que ça y est, t'as pêché une carpe. T'as cru que ça fait quoi de toi un bonhomme, mon frère, parce que tu portes un poisson, portes un gorille. Et après, on en reparlera, frère. Mais y'a pas de gorille en France, ta carte de mort. Tout fossile, lui, la vie de ma mère. Le t'es avec sa carte de PD, wesh. Est-ce qu'on s'en bat les couilles de ta carte? Vas-y, chouffe-le aussi. Eh, vas-y, frère, on s'en bat les couilles de tes commentaires. Ferme ta gueule, suce-moi la chatte, là. Vas-y, c'est une fatiguée, là, avec sa tête de pamplemousse. Suce des bites et ferme ta gueule, grosse pute.